Tu as 5 secondes, 6, 7, 8. J'ai une seconde d'avance sur toi, donc ça devrait aller. Ah, donc dites-nous le chat si, vous, si nous on est synchro avec vous. Pardon, vous êtes un tout petit peu en retard, hein. 19, 20. Vous êtes en source ou pas? En source, je suis à 20 maintenant. À 25, vous avez 4-5 secondes, bon c'est pas très grave. Mais... Je vais essayer les F5 un peu aussi. Bon, par contre, il y a juste le glitch là, donc je vais pas F5 tout de suite. Alors, ce premier glitch va consister à sauter dans le vide à une certaine frame pour pouvoir justement déclencher tout un processus qui va. Et en fait, diviser le jeu en plusieurs sections. F5 moi. Des flags. On appelle ça. Ah, il fait une save. Ok. Bah, il me semble qu'il a fait la save. Bon, j'ai les fameuses pubs, donc j'ai pas activé AdBlock. Donc faites comme moi, désactive AdBlock. Très important. Donc ça arrive. Voilà, donc là je suis à. Donc il vient d'effectuer le. Back in time. Le bug in time. Moi je suis à une 26, une 27, une 28. Une 30, une 31. Ouais, une 32. Bon. Je suis synchro avec toi. Donc, j'espère que ça va pour vous le chat, n'hésitez pas à nous le dire. Donc là, comme vous l'avez vu, le back in time, c'est un truc un peu bizarre qui vous autorise à justement respawn sur l'écran titre. On va sauter dans le vide et on va sauvegarder juste après pour pouvoir récupérer directement une épée. Et le book ilien ainsi que la tenue, ce qui donne quand même une bonne avance puisqu'on skip toute la première partie où on doit aller chercher le lance-pierre et autres. Qui correspond à 2 jours dans le jeu. Qui correspond à 2 jours. Exact. Donc on a, normalement c'est tout le petit didacticiel, apprendre à tirer au lance-pierre, etc. Donc la partie vraiment qui nous apprend à jouer au jeu, bah là on la skip directement. Parce que bien évidemment le runner connaît parfaitement son jeu. Il a déjà passé des centaines et des centaines d'heures sur le jeu, donc pas de soucis. Et le but c'est d'aller vite, hein, toujours. Alors ce glitch est également retrouvable dans Zelda Skyward Sword, mais est moins précis. Sur Twilight Princess c'est vraiment pratiquement du frame perfect, alors que sur Skyward Sword c'est un peu YOLO. Très très YOLO. Donc à savoir quand même que Twilight Princess c'est une communauté qui a plutôt pas mal grandi ces 2 dernières années. Sachant que on était à peu près au niveau des runners une petite trentaine il y a 2 ans. Et maintenant il y a environ 60 runners à peu près. Ouais, surtout dans la catégorie Any%, c'est énormément runné. Un peu moins dans les autres catégories, mais dans les Any%, il y a vraiment vraiment beaucoup de runners qui parisent, bon, comme par exemple le record du monde a encore été battu tout dernièrement là. Il y a 30 minutes. Il y a 30 minutes donc c'est très régulièrement runné. Donc le world record, on le rappelle, qui est en 2h57min 37s. 59, ah oui. J'ai le 57 dans les yeux du coup. Merci. Voilà. Y'a pas de soucis. Donc tout frais. On est passé en dessous de 2 minutes, en dessous des 3 heures. Donc là. Alors bien évidemment, comme vous voyez, il est sur la version américaine. Mais normalement, en fait, on run le jeu sur la version allemande parce que justement, la version japonaise n'est pas runnable à cause d'un glitch qu'on ne peut pas faire, qu'on verra un petit peu plus tard. Et donc, on prend la version soit US, soit allemande, sachant que la version allemande est 6 secondes plus rapide que la version anglaise. Ouais, exactement. Donc là, on peut parler juste de la roulade classique dans les runs. Vous allez voir beaucoup de roulades pour avancer très rapidement vers l'avant. Et le petit jump vers l'avant pour gagner un petit peu de temps aussi. Donc là, on va aller libérer la petite fille. Je ne sais plus si elle a un nom, un comment garçon. Elle s'appelle. C'est un garçon, d'accord. C'est un garçon à l'allure de fille, c'est juste. C'est un message sur l'esprit. Donc en fait, pour l'histoire, le singe l'avait cambriolé. L'avait emporté. Bon, on va la libérer. Voilà. Que c'est un garçon. Alors, Adders, la toupie Beyblade arrivera un peu plus tard. Donc. La fameuse toupie Beyblade. Alors, pour répondre à la question de Jojo, comment ils font leur calcul de rapidité en version, eh bien, il y a un Glitch Hunter qui s'est amusé à timer toutes les textbox en termes de frame.
Et il a compté combien que ça faisait de différence, sachant que 60 frames c'est une seconde. Donc voilà. On va enchaîner avec les goats. Donc les goats qui ont des déplacements parfois aléatoires qui peuvent un peu bousiller ton début de run. Vous allez le voir. Donc là on doit rentrer toutes les chèvres dans leur enclos. Parfois certaines chèvres sont assez capricieuses. Alors ça dépend, il y a deux setups. Là il fait un setup plutôt risqué. Mais il y a un autre beaucoup plus safe à faire. Et généralement si on fait en dessous de 30 secondes, c'est correct. Si on fait en dessous de 25, c'est bien. Et si on arrive encore à faire en dessous de 23, c'est vraiment bien. Bon là il est très bien, donc il n'y aura pas de souci. Ah non, il y en a une qui est capricieuse, voilà. Mais elle rentre assez facilement, c'est bon. Donc là, il sera en dessous de... Il est largement en dessous de 30. Ouais. Deux. Ah non. Ah, malheureusement. Ah non, il n'a pas dépassé. Ouais. Il y a deux chefs qui les ont un peu trop en passant sur les côtés. Mais n'oublions pas que c'est dans des conditions de live, donc il y a quand même une certaine pression. On voit qu'ils sont quand même déjà sur le stream 109 000. Sur officiel, donc il y a une certaine pression. Ça reste quand même un très bon temps pour un live. Et puis les conditions. Le runner n'est pas chez lui devant son setup personnel. Il arrive dans un setup qu'il ne connaît pas, où il n'a pas l'habitude d'évoluer, peut-être un autre écran, une autre télé, ça change beaucoup, c'est jamais facile. Alors, j'ai toujours trouvé dommage que ce jeu soit sous-runné comparé à Zelda Ocarina of Time. Il y a très très peu de runners en France. En France, il y a toi. Il y a Sardine, Zorazu. Voilà. Et il n'y en a plus d'autres après. Il n'y en a plus d'autres. Ça serait bien qu'il y ait des gens qui nous rejoignent. Donc s'il y a des amateurs de speedrun qui veulent commencer dans les princesses, venez, hein. Si vous, si vous voulez battre le top 3 FR, bah venez. Pour être très honnête, Twilight Princess, c'est un jeu qui s'est énormément simplifié au cours du temps. Oui. Notamment grâce à la personne qui a timé toutes les textbox. Vous allez voir, il a trouvé plein de trucs. On va expliquer, vous allez voir pourquoi maintenant ce jeu se finit en moins de 3 heures, justement. Vous allez vite comprendre. Donc là, on va faire le petit tutoriel d'acticiel. Qui nous sert à affronter les Gorons plus tard, mais là on va pas trop l'utiliser. C'est juste pour récupérer les bottes en fait. Donc le petit combat. Normalement pas trop difficile. Il y a un tout petit peu d'RNG. Pas très difficile, mais... ouais. Un peu RNG quand même. Un petit peu RNG, mais normalement ça passe assez bien. Donc les bottes qui seront super super importantes pour la suite du run. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Marco aussi, mis récemment. Marco ? Ok. Ouais. Marco, c'est un double. Non, mais dites pas ça. Ouh, il a eu un très bon bout en tout cas. Parce qu'il faut savoir que c'est RNG. Ouais. C'est extrêmement bizarre. Donc là, on va hériter. Donc on peut perdre on peut perdre 10 secondes, être en avance de 10 secondes, ou perdre genre 1 minute, 1 minute 30. Ouais. Donc c'est on va parce que le jeu a décidé. Oh, 200 000 dollars. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite ovation. Dans la foule derrière. Beaucoup de monde pour regarder ce run. C'est un run qui est vraiment très très attendu en général chaque année. Beaucoup de monde, beaucoup de viewers, que ce soit sur le stream US ou sur le stream FR ou même dans la salle sur place. La petite save. Vraiment ne pas oublier cette save. Ah oui, parce que cette save va en fait préparer l'Early Monkey, qui est l'un des tout nouveaux glitch qui permet justement encore plus le sub 3 comparé à avant. On va l'expliquer peut-être un petit peu après. Donc voilà l'ovation. Le plus officiel. Donc là, vraiment une cinématique qu'on va bien évidemment ne pas regarder pour gagner du temps. Alors, on arrive dans une petite cutscene, on va peut-être faire un petit point scénar. Petit point scénario, bonne idée. Donc là, bon, on va pas voir la cinématique malheureusement. Mais des méchants du royaume des ombres vont arriver et vont tout simplement faire fuir Epona déjà, c'est très important. Et par la suite, plonger le monde dans le chaos. Vous allez vite comprendre. Et bon là, on a passé la cinématique et on se retrouve emprisonné dans les douves du château d'Hyrule. Donc là, le but, ce sera de se libérer de la cellule pour aller en haut du château et rencontrer la princesse Zelda. Donc là, ça va très vite. On casse la caisse dès le début. Je
C'est parti. Alors, on veut Midona. Non, Midona arrivera par la suite. Ne vous inquiétez pas. Midona qui est un personnage très très important. Bon, il est déjà en dessous de nous, mais on n'a pas encore eu de dialogue avec elle. À mon avis, c'est la meilleure assise de tous les Zelda. Hein. Au-dessus de Navi, au-dessus de Faye. Surtout au-dessus de, oui. De Faye. Surtout. J'ai l'impression qu'elle sert à quelque chose au moins, Midona. Oui, voilà. Parce que Navi, elle est là. Hey, listen. Et puis tu sais pas non, vraiment. Ça va, encore Navi, c'est le niveau intermédiaire. Faye, c'est en dessous, ça n'existe pas. Et oui, la partie avec le chien commence, bien évidemment. Dans ce jeu, on incarne. C'est un loup, d'accord. C'était un loup, donc monsieur. On incarne un loup. Avec à la place de Link, tout simplement. Un loup qui est contrôlé par Midona. Donc on a quelques attaques, jump vers l'avant avec le loup. Il y aura quelques spécificités avec le loup, vous allez le voir tout après. Donc là on est encore dans la partie un peu didacticielle, on peut dire ça. On apprend vraiment les contrôles avec le loup. Donc là il faut abaisser le niveau des os pour pouvoir progresser dans le niveau. Donc là c'est encore assez correct dans le scénario. On n'est pas encore en avance en retard par rapport à la run. Donc là on pourrait un peu vous spoiler le scénario. Donc là on va aller rencontrer la princesse Zelda. Et la princesse Zelda va nous dire qu'elle a préféré conserver son royaume mais le plonger dans la... Comment on peut dire ça? Comment juste tout ça? Dans les ténèbres. Pour préserver son château. Donc on va raconter ça après. Donc on a vu, il a fait un espèce de petit saut. C'est pour ça qu'il a fait un espèce de petit bruit d'énervement. Parce qu'en fait ça permet de skipper à textbox normalement. Mais il l'a pas réussi. Donc là on remonte, c'est assez classique. Ouh, joli saut. Oh. Ouais. Petit fail. C'est pas grave. C'est toujours difficile pour un runner de se mettre dedans. Avec autant de public, dès le début. Au bout de quelques minutes de run, bah, il va se sentir beaucoup plus à l'aise. C'est normal. Surtout qu'il est accompagné d'autres runners sur le coach. Donc, ouais, pas mal de pression, ouais. Ça devrait bien se passer. Donc là, il va certainement soit faire une save maintenant, soit en faire une plus tard. C'est juste une histoire de préférence. Je ne sais pas s'il va la faire. Non, il la fait pas maintenant. C'est encore pour préparer justement l'heure du monkey. Vous allez comprendre un petit peu plus tard. Donc là on est sur le toit du château d'Hyrule. Tu ne l'avais pas encore reconnu. Château d'Hyrule qui est un peu mal entretenu, je trouve. Mal entretenu. Pas très sérieux ça. Où sont les rénovateurs d'Hyrule? Ils ne sont pas présents. Du coup la Midona sert à quelque chose, donc elle nous indique la plateforme suivante. Et avec notre espèce d'attaque ou de compétence avec le loup, on peut tout simplement sauter où est Midona. Alors, bonus Peepers, oui, il nous faut du courage, mais on va y arriver. Vu que c'est un jeu fantastique. Donc là, on rencontre Zelda, sauf qu'on va pas voir la cinématique. Il me dit d'ailleurs que quelqu'un arrive, alors qu'on sort tranquillement en fait par le bas et il n'y a personne. Voilà. Il y avait un petit rubis normalement dans la cheminée, mais on l'a pas pris. Exact. On ne l'a pas pris. Donc là, il va faire un glitch extrêmement compliqué en termes d'exécution. J'essaie de vous l'expliquer le plus clair possible. Comme vous voyez, il a l'épée et le bouclier sur le dos grâce au back in time qu'il a effectué juste avant pour les récupérer très rapidement, pour sauter les deux premiers jours de jeu. Et donc du coup, il ne peut pas rentrer dans le Twilight tant qu'il n'a pas été chercher les vrais épées et boucliers. La vraie épée en bois et le vrai bouclier en bois. Et donc là, il va exécuter un trick pour pouvoir rentrer justement dans une trigger, dans un déclencheur, dans une zone, tout simplement. Dans la zone du Twilight. A savoir qu'il y a une zone au sol qui vous dit, où Midna vous dit justement, va rechercher l'épée et le bouclier. Et en fait, nous, on veut rentrer dans la zone en l'air qui nous permet justement de rentrer dans le Twilight. Je sais pas si c'était très clair, mais c'est extrêmement compliqué à expliquer et encore plus dur à faire. C'est généralement un des premiers tricks qui freinent les nouveaux arrivants de par sa difficulté. Et malheureusement, il a raté parce que il a sauté beaucoup trop tôt la deuxième fois.
Parce qu'en fait, la première attaque va envoyer Hugo, comme on l'appelle dans la communauté. Effectivement. Et la première attaque va envoyer Hugo en l'air. Et la deuxième attaque va se faire par-dessus lui. On va essayer de l'atteindre au plus haut de son envol pour pouvoir justement rentrer dans la trigger. Donc là, pour la fois, il s'est juste suicidé pour faire respawn le gobelin pour pouvoir recommencer le glitch. Donc là, il est obligé de le réussir, il peut pas trouver de... Il n'a pas le choix, il peut pas finir le jeu. Et en fait, justement, ce suicide sert parce que c'est un ennemi qui n'apparaît qu'une seule fois dans le jeu. Donc si on le tue, eh ben c'est game over. Hein. Voilà. Le jeu est pas très content. Il y a des gens qui passent du temps à faire ça. Ça a mis beaucoup de temps et encore. J'ai déjà vu quelques runners passer des heures et des heures sur un live Twitch à tenter le glitch. Donc c'est vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'entraînement avant de le réussir. C'est vraiment la frame est prêt, c'est vraiment très très précis. C'est très difficile à réaliser. Sachant que chaque runner a son petit setup et il a réussi quand même deuxième try. C'est très bien joué, de toute façon, la difficulté du glitch. Deuxième coup pour une condition de SJDQ, c'est pas mal, c'est vraiment bien. Parce qu'en fait, ce glitch inclut un certain angle par rapport au mur, faut pas être collé au mur, avoir un bon timing également et avoir une bonne RNG. Donc à partir de là, c'est un peu compliqué. Donc là, c'est le premier fight avec les espèces de messagers. Donc ils ont une petite spécificité, c'est qu'on ne peut pas en laisser un seul vivant. Donc pour pouvoir clean ces boss, on doit les tuer. Faut que les deux derniers meurent d'un coup simultanément. Donc faut pas qu'il y en ait un en vie, sinon ils ressuscitent les autres. Vous allez comprendre. Pas méga facile à expliquer. Donc là, on est obligé de le faire faux la première fois pour déclencher l'espèce de tuto. Donc c'est le premier combat. Donc là, Midona nous explique ce que je vous expliquais juste avant. Et donc là, les deux derniers, on doit les tuer simultanément pour pouvoir les clean. Donc ça, on va les rencontrer de nombreuses et de nombreuses fois durant le run. C'est pas vraiment difficile une fois qu'on l'a fait. Une fois qu'on les a tués une fois, on a trouvé le rythme puis la solution. Donc hop, on va complètement skipper les insectes et le vaisselle ou calice en français. Parce qu'on ne va tout simplement pas nettoyer le Twilight de Pharaon. Donc les calices. Je suis juste désolé si je parle énormément avec les termes anglais, mais à force, ça rentre dans la tête et puis c'est très dur de parler en français. Donc les calices qu'on récupérera un peu plus tard pour les autres zones. Donc ce qui servira à redonner la lumière à l'endroit où le crépuscule est. Là, on est dans la Pharaon Woods, pas de soucis. Donc là, Midona qui nous indique le chemin. Donc on va y repasser à cet endroit-là un peu plus tard. Cette fois-ci, on passera dans l'espèce de brouillard rose. Qui est très nocif pour nous. Alors, la ligne... Ah, si vous trouvez que là, le jeu est détruit, vous n'êtes pas prêt. Hein. C'est rien du tout. Attendez le boomerang. Ah oui, le boomerang, le pillar clip. Ah oui. Il y a tellement de choses dans ce jeu. Non, parce qu'en fait, c'est aussi un jeu qui a énormément de catégories runnées par les Japonais. C'est tout... La majorité des runners japonais le run en glitchless. Et on crée des petites catégories qui sont relativement sympas. Donc là... Ça se fait ça. Donc là, il l'attire pour faire un glitch extrêmement compliqué. Hein. Bah, extrêmement énervant plutôt que compliqué. Alors là, c'est RNG. Là, il y a une très bonne RNG. Donc ça va très bien passer du premier coup. Alors le but, ça va être de se rapprocher de la Shadow Beast. Vous avez deux types d'attaques. Soit une lente, soit une rapide. Si c'est rapide, ça marche pas. Si c'est lente, ça marche. Parce qu'en fait, pendant son attaque en cercle,
Link Lou va regarder la main en l'air et va simplement essayer d'attaquer la main. Et donc du coup avec un bon angle et une bonne position, et ben il arrive à passer par dessus en out of bounds ou OOB en français, hors des limites. Voilà. Donc là on va à la recherche de l'épée de lumière, la Master Sword. Donc pour ce faire on devra éliminer Skull Kid. Donc pour ça, normalement dans le jeu en casual, donc en joueur normal, vous devez écouter, vous devez retrouver Skull Kid au son de son instrument. Donc là le runner bien évidemment il connaît parfaitement le chemin. Par exemple juste après, vous allez le voir, vous arrivez là, vous devez repérer Skull Kid au son. Donc là on doit le hit quelques fois avant de l'affronter comme une espèce de boss avant la Master Sword. Je sais pas si vous entendez bien le son vous en français, mais une musique assez énervante je trouve, la musique de Skull Kid. Quand on l'a appelé une première fois. Donc il va s'épée et se redéplacer à un autre endroit. On va appeler ça les bois perdus. Alors c'est pas du tout un Skull Kid comme dans comme on a connu dans Ocarina of Time ou même Majora's Mask. Ouais, c'est complètement différent. Totalement modélisé différemment déjà. Ensuite. En termes de tête, on doit le hit 3 fois avant de pouvoir arriver vers l'entrée du... vers Master Sword. Donc faut vraiment suivre au son. Je crois pas que c'est RNG du tout, hein. Je crois que c'est vraiment précis le chemin qu'il prend. Donc, le petit parcours. Donc on va éviter les monstres, alors, on a pas le temps. Des buffers, malheureusement. Ah, ok. On gardera sur les tours 5 quelques fois. Il m'arrive de quitter, c'est à cause de la connexion. Hein. Pas très ouais, stable. Pas de soucis. Là, on suit Skull Kid. Skull Kid est moche de base. Bon, en fait, c'est un personnage qui est pas vraiment fait pour être beau. Hein. C'est... Ouais, voilà. Donc, là, on va affronter Skull Kid. Donc, dès qu'il a joué de son instrument, on peut l'attaquer. Simplement. Et à chaque coup de trompette, il nous renvoie quelques mobs qui sont vraiment très moches également. On dirait des bonhommes un peu articulés par des marionnettistes. Assez spécial. On va rester à proximité. Dès qu'il joue de son instrument, on doit lui jump dessus, sinon il se TP et puis on perd du temps. Donc vraiment très important. Donc juste après ça, on aurait un passage mais vraiment incroyable. Un passage fantastique, très rythmé. C'est ironique bien sûr, vous allez comprendre pourquoi. On attend qu'il souffle dans son instrument. Et c'est bon. Ah la Skull Kid. Ah ouais. Donc Skull Kid est pas beau effectivement, mais c'est fait pour ça. Donc on se dirige. On se dirige vers la Master Sword, mais avant ça, une énigme. Ah, la meilleure énigme du monde. La meilleure énigme. qui a fait, je pense, péter un câble à pas mal de gens quand ça a commencé. C'est l'énigme. On ne comprend pas pourquoi elle est dans le jeu en fait. Elle est là, mais on ne sait pas trop pourquoi. C'est la seule énigme du genre dans le jeu. Donc, donc on va y aller là. Donc en fait, on doit. Le but, c'est de placer les deux géants sur les deux plateformes avec les interrupteurs. Donc pour ça, c'est de la logique. On doit déplacer notre loup. Et à chaque déplacement. Les deux géants se déplaceront dans la même direction en fait. C'est assez compliqué. Alors pas notez très bien, notez bien le chemin si vous voulez y rejouer tranquillou un jour. Hein. Et là c'est lent, c'est d'une lenteur. Les animations des géants sont tellement. Très honnêtement, si ça serait skippable, ça gagnerait facilement au moins une bonne minute, je dirais facilement. Ouais, clairement. En plus, si vous vous trompez, vous devez tout recommencer donc. Donc voilà, il le passe du premier coup, bon c'est pas... Le runner le connaît par cœur. Donc là, moment magique, on va récupérer la Master Sword. On retrouve dans tous les Legend of Zelda, presque tous. Après 25 minutes, honnêtement, c'est un bon temps. Ouais, c'est bien. Hormis le skip avec le gobelin, il a tout bien réussi le reste. Assez rapidement. Tetris was a blast. I'm really excited for Twilight Princess since it probably has some of my all-time favorite speedrun. Donc là un petit item que Midna va récupérer. La magnifique cinématique. Alors cette cinématique est quand même un peu liée à celle de Soul Calibur, je trouve.
Ouais, exact. Effectivement. Et de mêlée également. Peut-être s'en sont-ils un petit peu inspirés, on ne sait pas. Exactement. Ça a donné des idées. Donc Midna. Une remise cinématique encore. Assez classe. Là, en fait, Midna va lui dire que. Qu'en gros, l'espèce d'objet qu'elle va tenir dans les mains, c'est ce qui lui permettra de se transformer à volonté en loup ou en humain. Sauf dans le monde du crépuscule. Où non, même dans le monde du crépuscule. Ah oui, excuse-moi. Pour se transformer en loup ou en humain. Donc extrêmement important pour la suite de l'aventure. Vraiment comprendre tout ça. C'est plus scellé dans Link Awakening. Awakening. L'épée de lumière, un jour elle sera mienne. Peut-être. On ne sait pas. Alors, Link va voir Zelda, sauve Hyrule et 10 minutes plus tard, il chope la Master Sword. Non, c'est pas aussi facile que ça, malheureusement. La petite cutscene qu'on ne peut pas passer. C'est un peu d'écouter ce que dit le runner également. Donc on a la Master Sword. Donc Midna qui se range en nous, on sait pas trop comment. Donc le jeu devient vraiment cassé là, ça commence à devenir, vous trouvez que le jeu était déjà bordélique, ça voulait rien dire avant, ben là vous avez encore rien vu en fait. On va se diriger vers des endroits assez spannés. Donc Zelkis a déco, donc je suis tout seul. Donc là on a Master Sword, on doit faire quelques trucs. On peut pas se parler pour un endroit du gaz violet, donc on va retourner au gaz violet. Donc là il y aurait un chemin très précis à emprunter pour ne pas mourir. Désolé. Pas de soucis. Je ne suis pas chez moi, donc la connexion n'est pas forcément des plus stables. Elle est plus puissante, mais pas forcément des plus stables. Donc désolé. Donc tu as le stream, c'est bon? Tu... Oui. Tu as 27.11, 27.12. C'est juste le TS qui coupe. Ah juste, ok, c'est bon. Link à One Be King avec Isnogu dans DLC. Donc la sauvegarde. Oui, ça va être important, ça va aller plus vite. Ouais. On va enfin pouvoir expliquer l'Early Monkey. Je vais expliquer ou... Je te laisse expliquer, je pense que tu vas mieux expliquer que moi. Ok, très bien. Donc si vous vous souvenez de ce que je disais avant, le Back in Time, ça met en fait des flags, des drapeaux, ça segmente le jeu. Par exemple, ça vous dira, t'as fait telle étape, t'as libéré Epona un peu plus loin dans le jeu, dans l'histoire, par exemple. Tu as fait tes actions, etc., etc. Et donc du coup, là, il va pouvoir mettre en gros un espèce de early boss fight pour faire les boss très tôt. On va voir ça un petit peu plus tard. Et notamment le glitch qu'il va faire, ils sont en deux parties. Ça va permettre directement d'activer tous les singes dans le temple de la forêt. Vous allez voir, c'est totalement craqué comme glitch. Totalement, ouais. Donc là, hop, petit back in time au calme, comme on dit. Encore une fois. Hein. Et cette fois-ci, en fait, il va se jeter dans le vide. Et au même moment où Link tombe, il va entrer dans le menu. C'est pour ça qu'on entend Link crier durant le menu. Il va choisir la save juste après avoir récupéré les Iron Boots, ce qui déclenche le fight normalement que vous voyez pour libérer le gosse, voilà, qui s'était fait enlever un peu plus tôt dans l'histoire. Donc là il va passer à travers la buée rose, donc il y a un chemin très précis à emprunter, on peut pas faire des zigzags comme on veut. Donc. D'ailleurs c'est vraiment totalement craqué, Elite. Ouais. À savoir que si on roule trop, on se noie dedans. Ouais. Une fois qu'on connaît la route, c'est bon, plus de difficultés. Pas trop de soucis. Donc là, encore un fight avec les messagers. Je trouve qu'ils nous ont bien... Ils ont bien exagéré avec ces messagers. Je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup de fights. Pour une pas très grande difficulté, je trouve. Ah, en fait, il y a le commentateur casual. Ouais. Ami commentateur, on a combien de jeux à peu près? Difficile à dire, je pourrais même pas vous dire à combien on est en casual.
La Master Sword, je dirais que c'est 3 heures de jeu en casual. 3 heures complètes à peu près. Ouais, donc là 4, on serait pas loin des 4 heures, je pense. Ouais, 3-4 heures en Ouais. normal. Là, hop, il va directement rentrer dans le Forest Temple. C'est là où ça va être amusant. Normalement, à ce temps, on doit aller libérer tous les petits singes. Et Ouais, là, parce c'est là. qu'avant, en fait, avant, on clippait dans les ponts. Clipper, c'est-à-dire rentrer dans la texture des ponts pour directement rejoindre le combat, ce qui fait que c'était un peu plus long. Et là, ça se trouve au moins 2-3 bonnes minutes, quoi. Donc là, on va aller récupérer le meilleur item du jeu. L'item le plus craqué. Oh oui. Ah oui. Le boomerang qui vous servira énormément. D'accord. On a juste tué les araignées. Donc là, on a fait quelque chose de normal. Donc le singe qu'on a libéré nous indique le chemin normalement dans le. Dans le temple. Donc on y va, c'est parti. Quoi, il va aller très vite, hein. Il va totalement knocker les araignées, il va allumer les quatre interrupteurs avec sa lanterne. Donc là, c'est le premier temple du jeu en casual. Donc là, on le fait un petit peu plus tard, on le fait pas vraiment dans le bon ordre. On devrait déjà l'avoir fait à ce moment-là du jeu. Voilà, et Early Ouais. Monkey, comme on l'a vu. Ouais. Et ça va également activer des Early Boss Fight pour affronter normalement le boss de la grenouille beaucoup plus tôt, qui Oui, donne voilà. le close shot. Enfin, on a le temps. On a le temps. How many he's gonna jump between pillars and then eventually attack me. How many times he hops around these pillars? On peut pas faire résumé de craquage. La paix. Je lis un peu le chat. Du craquage du jeu? Ouais. Ouais, en gros, il a glitché de telle manière à récupérer l'épée très très vite dès le début du jeu, après 1 minute de jeu. Puis il a été faire quelques trucs et il a été chercher la Master Sword et puis voilà. Donc là Pour le boss est ridicule. résumer très gros. Le boss est ridicule. En fait il est possédé par le mal. Donc par ce petit araignée. Donc dès qu'on le tue, il va nous aider par la suite. Par un alien presque. Ouais. Sauf qu'il est pas mort en le faisant sortir. C'est sympa. Son fessier est un peu ridicule, je trouve. Un peu d'humour dans le jeu. Great job, guys. Been watching all Twilight Princess runs, and this one looks Bon, like c'est vrai it's que gonna le be jeu va fun. devenir Keep my amusant. work up and hope for the Iron Boot Ganon cutscene. Maintenant, ça voudra plus rien dire. Oh mon dieu, un boomerang! Et si je ramassais? D'ailleurs, à Oh savoir oui! que les quick spin, les attaques tourbillon en français, je crois, c'est les plus durs à faire dans Twilight Princess. Faut tourner le stick comme un porc en fait. Faire 3000 tours pour faire une seule attaque. Et justement, durant une attaque sautée, si vous tournez en étant en l'air le stick, vous pouvez enchaîner directement après un quick spin. Voilà. Donc là, La on prend la petite save safe pour aller un war. peu plus vite. Donc le boomerang, c'est un peu comme un enfant qui reçoit un cadeau de Noël devant le Ah ouais, sapin de monsieur. Noël. On sale boomerang, on est là. Oui! Puis pendant quelques jours, on l'utilise 24 heures par jour, donc vous allez vite comprendre pourquoi. Ça nous permet de gagner un temps inconsidérable. Il y a toujours un item dans chaque Legend of Zelda qui est bien craqué pour les speedruns. Ah non, celui-là, c'est le boomerang. Même dans beaucoup de jeux, c'est le boomerang qui est bien craqué. Donc là, on va pas encore récupérer les perles. On va pas ici. Donc d'ailleurs, on va vraiment affronter aucun mob durant le run. On va totalement knocker et passer tout droit. Ça fait perdre du temps de les affronter. Ouais. On n'est pas là pour perdre du temps. Surtout qu'on a commencé en retard. Donc là, ah, vous allez voir la première utilisation du boomerang. Vous êtes prêts? Attention. Ah, petit setup safe. Ouais. Ah ouais. Et ça passe. Le boomerang est tellement OP, préparez vos jeux, oui. Le boomerang est vraiment OP. Donc là, on est dans la plaine d'Hyrule. On prend le loup toujours parce qu'il se dépasse légèrement plus rapidement. Donc, Alors, je vais juste faire facilité. une petite explication du Ouais, glitch qu'il vas-y. vient de faire, qu'on appelle le long jump attack.
qui est faisable en loup, c'est justement ce qui a permis le SNS skip pour entrer dans le Twilight, qu'on a vu un peu plus tôt avant la Master Sword. Là en fait le but c'est de faire passer, entre guillemets, vous pouvez le faire sur trois types d'objets, on va dire. Soit vous visez avec le boomerang un endroit justement qui est plus haut que vous, un point plus haut ou une plateforme plus haut, ça vous permet de le faire. Soit le boomerang passe derrière une texture en out of bounds, hors des limites quoi. Ça permet également de le faire. Soit il faut que ça soit contre un ennemi qui est en hauteur. Voilà, et justement, le fait de lancer boomerang, c'est faisable uniquement sur GameCube, d'ailleurs c'est glitch. On sort l'épée et on appuie simplement sur A, c'est un petit... c'est juste un timing à prendre. Et ça permet justement de faire beaucoup de choses avec ce boomerang. Mais sinon, vraiment, trois choses à retenir, c'est soit viser plus haut que soi, un seul plus haut que soi, soit viser deux points et il passera derrière, par exemple, dans la texture, donc dans le vide. Faut que le boomerang soit dans le vide pour pouvoir le faire. Soit viser un ennemi qui est plus haut que soi. Voilà. Ça permet de le faire. On élimine encore une fois les messagers. Et là, normalement, si je me trompe pas... Ok. Il a bien réussi. Ah, First Framer ? Ouais. Ah, il a réussi. Il a réussi. Donc ce qu'il vient de faire, c'est un trick extrêmement compliqué qui consiste à appuyer sur A. Vous avez une frame. C'est-à-dire... Je ne sais pas comment dire. C'est... Vu qu'une seconde, c'est 60 frames. Un 60ème de seconde. À peu près ? Ouais, un 60ème. Si ça se dit, 50ème, enfin, 60ème. Voilà. Si vous arrivez à comprendre. Bref, c'est extrêmement court. Petit glitch. Et c'est très très dur. Avec le boomerang. Ouais, le Ruby Roll. Il. Au moins, il y a ce safe. Je crois qu'il. Ah là là. Il l'a fail, ouais. Qu'est-ce qu'il va faire du coup ? Je pense qu'il va save reset. Ouais, je pense que ça aussi. Ah non, normalement... il est forcé de se téléporter, donc là il va prendre la route. Dans First Framer. Ouais. Et oui, parce que vous avez deux types de routes dans Twilight Princess. Vous avez soit une plus simple mais plus lente, soit vous avez celle-ci qui est l'actuelle, la route actuelle que pratiquement tout le monde fait. Et justement, elle se divise en deux routes, il y a deux sub-routes. Soit vous réussissez le saut dans le vide, soit vous ne réussissez pas. Et ça change pas grand chose, mais ça fait quand même perdre un peu de temps. Un trick extrêmement compliqué qui consiste à appuyer sur A. Ah, ça troll le chat. Ah, Zelkis, tu lagues un peu. Possibilité. Tu lagues. Ah oui, compliqué. Alors. Donc il va retenter là. Ouais, donc, en fait, ça permet de passer de comme vous l'avez vu, il a voulu se mettre juste derrière la barrière. Mm. Normalement, on peut skipper cette partie et ne pas aller sauter cette partie et ne pas aller chercher le pont du tout, en fait, parce qu'on va faire un énorme LVA justement au-dessus du vide pour passer tout l'énorme fossé. Donc là, on va appeler Ibona. Normalement, il y a le pont. On appelle notre très cher Epona. Donc là, on va faire un petit out of bounds again. Encore. Pour justement passer hors des limites. Ah, malheureusement, il a foiré. Ouais. Alors justement, ce qu'il va faire, c'est un map glitch. C'est le glitch qu'on ne peut pas faire en version japonaise, qui fait donc perdre 20 minutes. Ça permet de sortir des limites tout le temps, simplement en appuyant sur, en faisant sortir la map et en appelant Midna en même temps. Alors il y a des strats pour le faire en même temps, genre débrancher la manette, appuyer sur les deux boutons et rebrancher, ça le fera à 100% sûr. Et ça permettra de faire énormément de choses. Donc là, il va aller la retenter. En gros, comme le dit Ace actuellement,
Le jeu croit que vous vous êtes warpé. Donc en fait, téléporté. Donc en fait, le jeu considère que vous n'êtes plus à l'endroit. Vous n'êtes plus sur la même map. Et du coup, au même endroit. Et du coup, en fait, vous allez pouvoir sortir hors des limites. What I was gonna do, I was gonna put a pony out of bounds, and then I was gonna ride around the gate. Instead of clipping through. The gate that... Donc de retour dans la peine d'Hyrule. J'espère que cette fois il va réussir. De toute façon il est obligé de. Il est obligé de la réussir. Pour le run. Donc il va aller bah, tout simplement avec le petit glitch vers la porte, donc le glitch avec Epona. Vous allez voir, c'est très fun. C'est très fun, mais très difficile à réaliser aussi. Donc là, il va reculer Epona. Il va la coller à la barrière. Et lui, il va se passer entre Epona et la barrière. Il va faire des roulades jusqu'à un peu rentrer dans le décor de la barrière. Et dès qu'il sera rentré assez suffisamment dans le décor, il va se transformer en loup pour pouvoir passer à travers la barrière. Donc là, il a un peu de mal. Pour le moment, ça passe pas vraiment. Ah, c'est passé, il va se transformer en loup. Il a un peu d'avance sur moi. 41, 14, 15. Ah, je suis à 25, j'ai 10 secondes d'avance sur toi. Ah oui. Alors, peut-être tu essaies de faire F5 toi, tu veux essayer du coup. Oui, je vais. Okay. 32, 33, 34. Donc là, normalement, on a un combat épique, mais sauf que nous, on saute à travers le pont, petit glitch, pour là, se retrouver. Le meilleur des deux. Le pilar clip consiste à passer dans la texture d'un des piliers sous l'eau, évidemment sans armure Zora, hein, sinon c'est pas marrant. Sachant qu'il n'y a que 3 pixels pour clipper. Et lui il le fait d'ailleurs, j'ai l'impression, en mode YOLO. setupless. Parce qu'il y a des setups qui ont été trouvés qui sont quasiment constants, à presque 100%. Bon, même sans constance, si c'est bien exécuté. Bon, tout va bien. Le bon endroit. Ah là 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 là. Ça me paraît un peu. Il va remonter. Je sais pas s'il va le réussir parce que si on touche le pilier, comme il a eu l'animation, où il atterrit sur un sol, ça fait perdre un peu de temps, donc un peu d'oxygène. Sachant que l'oxygène est déjà, très limité. Ouais. Donc c'est fait, il va devoir recommencer. Donc là, Link se noie, c'est triste. Donc là, je me souviens même plus de tête où c'est qu'il respawn quand il est mort ici. Je pense qu'il doit respawn au lac Ilia. Je ne sais plus. On va découvrir ça tous ensemble. Ah non, il respawn vraiment, vraiment loin. Donc la deuxième setup. Ouais. Genre, en plus, il doit s'adapter parce que suivant le fait qu'il soit sur une télé cathodique ou une télé HD, les setups sont pas les mêmes en fait. Ouais. Dans l'ensemble général, ça reste le même, mais c'est juste les repères visuels, les visual cues, qui sont pas les mêmes. Je vais voir tenter. On le rappelle, c'est vraiment pas facile de réaliser des glitches devant autant de personnes dans des conditions différentes. En général, chez lui, ouais, celui-là c'est bon. Normalement, un runner chez lui qui stream, qui fait autant de fails, il va reset son run, mais là il ne peut juste pas parce que c'est devant tant de personnes, il peut pas reset. Donc, normalement, niveau oxygène, il est bon donc il devrait réussir. Moi, je suis à 44,03, 04, 05, 06 au cas où. Il y a deux secondes de décalage. Ouh, bon, c'est bon. C'était close, mais il a réussi. Très bien joué à lui. Donc là il va save pour la sauvegarde numéro 1. De nouveau, on va reprendre la save. Et on y retourne. Donc là on est tombe sous l'eau. Il rate un petit coup. Oh.
Donc là réussi, donc là normalement la run va un peu s'accélérer. Donc je suis nouveau tout seul, Zelkis n'est pas là. Il y a quelques soucis de connexion, il vous l'a dit avant. Pas de soucis. Donc là le boomerang, regardez bien. Le boomerang qui nie complètement la physique du jeu, il n'y a aucune logique avec ce boomerang. Vous voyez, on va jump au moment du retour de la tornade, ce qui va nous téléporter, ce qui va nous faire sauter, jump beaucoup plus loin que la physique prévue pour le jeu. Donc le boomerang, item cassé. Connexion lost. Ça marche, Zelkis. Donc on y va. Je vais voir si Zelkis se reconnecte. Ah, il arrive. Il arrive, il arrive. Zelkis est là. Donc le boomerang est bien cassé. Hein. Le donjon du diable, celui-là. Bon, dans ce donjon-là, il va aller très vite. Il va aller très vite. Les donjons, ils vont généralement très vite dans la run. Il se pose pas trop la tête niveau énigme, il utilise surtout le boomerang. Le boomerang, item cassé, hein. Item complètement cassé. Vous allez encore le voir là. Très difficile à résister, premier, deuxième. Donc le boomerang permet de faire des choses totalement folles. Donc là, en cette action, on gagne un temps inconsidérable. On dirige vraiment vers la fin du level. Donc le boomerang, c'est vraiment l'item... L'item parfait pour un runner dans ce jeu. Donc on récupère Manchicken, alias Oku, alias Baba en français. Un coup qui est très important pour la suite du run, vous comprendrez plus tard. Je ne veux pas trop vous spoil. Il faut vraiment récupérer. Non, il s'est obligé de toute façon. Après, il va devoir avoir une certaine route avec les bombes. Justement. Vous allez comprendre en temps voulu, voilà. Alors c'est Boomerang TP le vrai nom du jeu en fait. c'est un peu ça. Merci Biff pour cette blague. Oh coton. Merci Biff. Merci, ça égaye un petit peu. Le chat qui rigole bien évidemment. Broken Zelda pour 100, oui aussi. Oui. Donc le jeu est extrêmement broken. Pas encore comme Ocarina of Time, mais ça y va. Et donc là, justement, l'effet du Deserly Monkey. Ça active un boss fight très très tôt. Normalement, on est obligé de passer sous l'eau, avoir les bombes et tout. Oui. Donc là, ça va très vite. Donc là, on devra taper la langue du boss. Ouais. Et donc, il va faire un C-up au tout début. Tout simplement pour faire tomber beaucoup plus vite la grenouille. Et là, s'il a réussi, ouh, très joli le 1-6. Ouais. Ça demande un timing extrêmement précis. Qui est très très bon d'ailleurs. Donc la fameuse musique d'ouverture des coffres qui fait un peu le charme de la série. Donc le grappin qui va nous servir quelques fois également pour plus tard. D'ailleurs, j'y pense, mais TP, ça s'est voulu être un OT de un peu 2.0 quand même. Comme ça avait été vendu à l'époque. Et je me rappelle. Moi, je trouve que c'est. Ouais, ça reste pas mal dans l'univers de. En tout cas, quand le monde n'est pas dans le crépuscule de Ocarina of Time. Après, je sais que les critiques ont été mitigées. C'était soit. Ont été très. Soit c'était très bien, soit c'était pas très bien. Et je sais que je connais plus pas mal de personnes qui ont été quand même déçues que ça soit pas vraiment assez proche d'OT. C'était un peu la promesse qui avait été faite, OT 2.0. Mais bon, ça reste un très très bon Zelda, un très bon Zelda, je trouve. Et moi j'aime pas quand les Zelda se ressemblent trop, j'aime bien quand ils sont un peu différents quand même. Ça varie un petit peu. Je pense que le public se serait lassé d'avoir vraiment un Ocarina 2.0. Je pense que les gens se seraient lassés. Là ils ont découvert un peu quand même un nouvel univers, quelques comparaisons avec Ocarina of Time, mais sans plus, mais... Après, je le trouve très bien, Twilight Princess. Donc on a un pouvoir en loup très important aussi. Un pouvoir de détection des odeurs, des ennemis. On peut aussi le dire. Donc là... Là, je crois qu'on va bientôt aller faire la partie où on récupère les insectes de lumière, il me semble.
Donc là, c'est une partie assez linéaire, assez molle. Un peu la partie IK pour cent. Vous allez comprendre pourquoi. Mais avant ça, un truc sympa. Ah, je veux faire un coup. Ah, c'est bon. Je veux faire un coup. Donc, Zelkis est de nouveau plus là. Donc, j'ai l'impression de me sentir seul des fois, mais en fait, c'est parce qu'il est plus là. Donc, pas de soucis. On aime ça. Je suis le seul à ne pas aimer Ocarina of Time. Parfois, tout le monde a le droit à avoir son avis. Tout le monde a le droit à avoir son avis. Donc là, on va prendre. J'ai buffer aussi. Allô. J'ai buffer aussi, t'as combien comme time là? Alors, je suis à 50-26, 50-27. Ouais, 28, ça va. 29, ok, nice. Donc c'est bon. Donc là, on prend l'oiseau, on n'est pas censé le prendre tout de suite, on est censé le prendre beaucoup plus tard dans la run pour récupérer les insectes pour redonner la lumière dans le segment ici. Mais là, on l'utilise quand même pour aller un petit peu plus vite dans le jeu, ce qui est normal, tout à fait normal. Donc là, pas très difficile, on met des petits boosts vers l'avant avec un oiseau. On peut faire une petite ressemblance avec l'oiseau de Wind Waker envoyé par Ganondorf. Il y a toujours un oiseau dans chaque Legend of Zelda. Il y a une espèce de gros oiseau assez imposant, on le retrouve assez souvent dans les différents jeux. Donc là, passage super fun, hein, le passage super fun de la journée. Donc je vais appeler le chat en attendant. Pour le coup, le vide de Garden of Time est pour des raisons techniques, hors suite TP et scénaristiques. Exactement. Clairement, quand tu veux faire un royaume et une légende en déclin, tu fais exprès de pas rendre ça très vivant. Bah oui, clairement. On te soutient Zelkis. Non, on soutient la connexion de Zelkis. Hein. Hashtag une connexion pour Zelkis Télévision. Donc on y croit. Il va revenir, vous inquiétez pas. Zelkis qui est le spécialiste qui run énormément ce jeu. Vous connaissez tous. Donc on continue. On va se diriger vers la partie méga fun du run. Pour le moment il est déjà à 52 minutes de jeu, il y a eu quelques fails, il a réussi quelques trucs très bien, il a eu quelques fails. Mais dans l'ensemble c'est encore assez correct. Il fera pas énorme temps au niveau record, mais il sera très bien placé. Je pense que l'estimate qu'il a prévu sera totalement correct, il va tourner autour de là. Je pense. Zelkis tente de se reconnecter. Hein. Donc là, on va suivre Minda, bien évidemment. Qui va nous faire monter jusqu'en haut. Donc là, jusqu'à maintenant, vous avez vu la plupart des glitches. Donc certains vont être utilisés plus tard dans le jeu. Mais normalement, vous avez eu toutes les explications des glitches qui vont être utilisées, mises à rude épreuve. Le jeu va prendre cher. A compris le parti pris de TP au moins aussi, c'était pas le cas tout le monde à la sortie du jeu. Oui, mais pour moi, Twilight Princess, j'ai été très content que ce ne soit pas un Ocarina of Time-like. Surtout qu'il nous a déjà sorti un Majora's Mask et qui gardait les mêmes mécanismes de jeu qu'Ocarina of Time, donc ça aurait fait trop, je pense. Là, ils ont bien fait de varier un peu. Puis quand même, ils ont gardé un espèce de monde du crépuscule qu'on peut un peu comparer à Ocarina of Time. Mais c'est très bien. Ce que j'adore dans la série Legend of Zelda, c'est qu'il y a vraiment de la variété, on peut passer d'un jeu à l'autre. Et ce sera totalement différent. Moi, perso, j'ai grandi en jouant à Wind Waker. Wind Waker, je pense que c'était un des premiers Zelda que j'ai fini entièrement. Donc celui-là m'a beaucoup plus marqué que les autres parce que j'ai grandi dedans. Puis c'est pas du tout objectif. Je veux pas dire que c'est mon préféré. Mon préféré par la suite, ça a été Majora's Mask. Majora's Mask, très très grand jeu. Donc Zelkis n'arrive pas à se reconnecter. Je vais un peu prendre des nouvelles quand même. Hein. Hashtag je suis Zelkis. Hein. Oui, on peut lancer le hashtag je suis Zelkis, c'est très très important. Donc là on se dit, donc c'est un peu la partie IKA pour cent. Hein, c'est la partie où on commence à lire le chat, on se dit mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter. Donc là, il va tenter un truc, il va nous retenter le même passage qu'avant, la safe strat. Donc là, roulade vers l'avant, jump vers la gauche, on essaie de prendre le petit point avec le boomerang. Et on jump deux fois vers l'avant. Voilà. Hashtag je suis Zelkis. Mais oui. Donc c'est assez mignon quand même. Le soleil commence à se lever ici comme on en Hyrule. C'est pas mal. Donc on est ensemble pour un bon moment. Donc bonjour à ceux qui arrivent. Bonne nuit à ceux qui se couchent. J'espère que vous allez tous bien. Donc là c'est le glitch que Zelkis vous a expliqué auparavant. On y va, on court. Hein. Donc toujours prendre Link Lou pour aller beaucoup plus vite.
beaucoup plus vite. J'ai un peu d'écoute ce que dit le runner parce que il connaît extrêmement bien son jeu également, donc ça peut être très intéressant. Des fois, il peut donner des indications. Surtout que là, il a eu quelques fails, il peut nous dire qu'est-ce qu'il va faire. Je suis le jeu. Le jeu est cassé comme la connexion de Zelkis. Mais c'est pas grave, il va revenir, vous inquiétez pas. Zelkis reviendra. Zelkis vaincra. À part ça, les gens, continuez de faire des dons. Hein. On a dépassé les 200 000 en 36 heures, ce qui est extrêmement beaucoup. J'attends le run de Zelda Skyward Sword. Oui, alors Skyward Sword, en fait, on va très peu le voir au marathon, car le run est vraiment très long. Hein. Il tourne autour des 4-5 heures actuellement. On va pas le voir. Donc là, il va retenter la strat. Donc là, il devra utiliser le boomerang pour se retrouver derrière la barrière. Vous allez comprendre, on va le faire petit à petit. J'espère que je suis synchro avec vous. Donc là, très timing prêt. Donc il récupère le rubis en même temps qui servira plus tard. Là, il va sauter au moment où la tornade revient. Il récupère le rubis. Il est sur la barrière. Il tombe. Et c'est réussi. Parfait. Donc là, normalement, on doit aller ramasser un pont pour pouvoir traverser de l'autre côté. Mais là, il va utiliser le boomerang, l'item le plus petit du jeu, pour directement passer ce petit le pont, simplement. Vous allez voir. Donc, super item, le boomerang. C'est parti. Boomerang pour 100, c'est parti. Il le passe, bien joué. Zelkis est de retour. Ah, le voilà. Ouais. Il est là. Il y a eu un petit hashtag, je suis Zelkis, qui est parti dans le chat. En ton honneur. En l'honneur de ta connexion. C'est un peu énervant. Je comprends. Pas ma co en plus. Bon, peu importe. Ah, donc le voilà, je suis à 56, 42, 43, 44. Donc t'as une seconde avance sur moi, c'est parfait, on reste comme ça. Ok. Donc le voilà dans le village Kakariko. Il aurait pu accéder avant justement. Mais malheureusement, il a foiré la rue Pyrole, donc il a pas réussi. Ouais, il a très bien réussi le petit jump par-dessus le pont avec le boomerang, pas de soucis. Donc là, le moment très linéaire du jeu, je trouve. Donc là, il va récupérer le... Comment on peut appeler ça ? Vessel of Light. Ouais, Vessel of Light. Ouais. Là, il va directement se diriger... Oui, vas-y. En français, je sais pas ce que ça donne, en fait. Le calice de lumière. Le calice de lumière, merci. Encore mieux avec un accent québécois. Ouais. Donc là, il va récupérer tous les... il doit tuer des insectes pour récupérer les gemmes de lumière. Et là, on va faire un super clip. Parce que ce jeu est trop bien fait. Voilà. Donc c'est parti. Voilà, tout simple. Alors, Oxyga, le simple truc, c'est que la rue Pyrole, c'est extrêmement énervant. Si tu ne vas pas assez vite pour la faire, le rubis disparaît, donc c'est énervant. Et surtout, si tu foires après comme il a foiré la roll juste après, parce que c'est des mouvements très précis, sur le stick. Et ben c'est énervant. Voilà pourquoi ça rage un peu. So glad to see you guys here in the Twin Cities. Excited for another round of games done quick. It never ceases to amaze me how fast you guys manage to. 6, 9, 12. Donc il doit récupérer 15 gemmes de lumière, on va appeler ça comme ça, je sais pas comment ils appellent ça. 15 gemmes de lumière qui seront dispersées autour du village Kakariko. Donc ils sont indiqués sur la map. Ils sont indiqués sur la map, mais ça peut être assez difficile de les trouver. Qu'on fait le jeu pour la première fois. Ensuite, ça va très bien. Donc là, on rentre dans les maisons, on doit taper l'insecte, récupérer la truc. Donc là, des fois, elle nous troll un peu la boule de lumière, elle redescend, elle est en l'air, on doit attendre qu'elle redescende un petit peu pour pouvoir l'attraper. Donc souvent, les runners, ils sautent parce qu'ils veulent la prendre vite, et ils se retrouvent dans le mur, donc on peut perdre quelques secondes. Kakariko avec l'accent belge. Je suis pas belge, calmez-vous. Je suis suisse, hein, au cas où. Je suis pas belge. Donc calmez-vous. Donc on récupère les différentes gemmes. Bon, on va récupérer de deux régions à la suite. Comme ça c'est fait. Là, il s'est tourné à gauche, c'est un petit truc pour gagner du temps. Parce que justement sinon la secte va être mis tout au-dessus, donc c'est un peu chiant.
On va pas ressortir le Stropole. Non, non, Biff, ne le sauve pas. Alors, on a récupéré presque la moitié des gemmes. Oh, petit fail, ça arrive. Et un hommage à ton confrère Luz qui m'a aussi accompagné durant les autres commentaires de TP, qui est également suisse. Donc voilà. Ah, Luz, ah oui. Luz rejoint, Luz Gukrin. J'arrive jamais à prononcer son pseudo, mais. Luz, voilà. Voilà, vous l'aurez reconnu. Je voulais écrire. Hop, on en profite pour sortir de la petite maison. $50 from Ben. First time watching SGDQ. What a wonderful event. Thanks to all those involved and keep up the good work. Ah, je vous l'ai écrit dans le chat. Mais moi j'ai dû regarder l'orthographe pour vous dire. Pseudo imprononçable. Mais son honneur est sauf. Ça qui est important. Donc du coup je vais laisser le TS en évidence au cas où tu te déconnectes. Oh, je le sais, voilà. Juste ici, parfait. Hop. Alors là, ce qu'il va faire sur les escaliers, il va faire à nouveau un LGA, long jump attack. Et ça va permettre en fait de gagner 25 secondes. C'est très facile à faire en plus. Le club boomerang. Tout simplement en attaquant l'insecte normalement qui rentre dans la maison. Vous savez, normalement, faut la faire exploser cette maison, tel un grand pyromane, tel Bob Lennon. Voilà. Et on récupère donc les tears. C'est comment en français? Tears. Je pourrais pas te dire en fait. Tears. Je vois pas. Donc c'est perles. On va aller voir ça. Hein. Les larmes, merci. Ouais, mais merci, c'est pas bébé. Comme ça. Hein, c'est pas le nom en français. Peu importe. Les tears. Voilà. Tears. Bonjour, pardon. Il nous a dit les larmes. Incroyable, bébé, il fait des petites interruptions. Très apprécié. Il a tenté de faire un petit side-up pour récupérer justement le rubis sans avoir la textbox à côté. Okay. Donc là, c'est cheat. Hein. On n'a pas de dégâts de chute avec le loup. On sait pas trop pourquoi, mais il n'y a pas de dégâts de chute. C'est normal, on peut sauter d'aussi haut qu'un loup, pas de soucis. Ah, donc là, on ramasse toujours les différentes perles du jeu. Donc c'est un passage très 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 linéaire. Je pense j'aurais préféré que les développeurs nous mettent un petit peu moins de perles et un peu plus de combat par exemple, parce que là c'est très linéaire et c'est toujours pareil en fait. Ils ont pas vraiment cherché de difficulté à récupérer ces perles. J'aurais préféré qu'ils nous mettent 3 perles avec 3 mobs à affronter pour les gagner, comme par la suite vous verrez au lac qu'il y a. Donc là c'est assez linéaire et pas toujours facile à commenter par dessus. Bah, le jeu a été fait. C'est un peu bizarrement, je trouve. On dirait que c'est un schéma. Ouais, c'est assez bizarre. Donc, la spécificité des messagers, ils ont rajouté des petits murs pour nous compliquer la tâche, c'est vraiment très difficile. Oulala. Ah, Biff qui vous a mis un petit stropole sur le chat. Alors. Non, mais c'est quoi ce stropole, Biff? Moi j'ai voté, je suis suisse, hein, par principe. Donc voilà. Donc encore une perle à récupérer. Et on est bon pour cette zone, parce qu'il y en a encore une deuxième après. Le big fun, hein, le big fun. On s'amuse énormément en récupérant les perles. L'idée est bonne, mais ils en ont trop mis. Ils en ont beaucoup trop mis. Comme si le jeu a une énorme durée de vie si vous faites le jeu en casual. Donc on peut comprendre pourquoi en voyant le passage des perles. Donc là les perles à quoi elles servent?
Pardonnez la lumière. Juste, oui, c'est encore pire dans Skyward Sword. Ah oui, Skyward Sword. Je soigne un passage où on doit récupérer des notes de musique sous l'eau. On sait pas trop pourquoi ils ont fait ça, par exemple. Skyward Sword, la run est encore plus longue, je crois. Bon, il n'y a pas encore beaucoup d'énormes glitches découverts. Ici, on est Suisse et Belge comme ça, Ganondorf. Arrêtez de me troll. Ça suffit. On est l'Estropole. Êtes-vous stupide, c'est oui qui l'emporte. Avec 94 votes. Oui, j'ai fait exprès de dire 94, je m'adapte. À votre... 94. Ouais. À votre dialecte français. Ce qui n'est pas logique, d'après moi, parce que... C'est plus logique 90 que 90, voilà. Des commentateurs qui pensent à s'adapter en France. C'est quand même cool. Donc, on a récupéré les premières perles, la première série de perles. Donc, est-ce qu'il va faire directement la deuxième? Je pense que oui. Je pense qu'il va faire la deuxième. Normalement, oui. Il est censé la faire. Un petit cutscene. Vous connaissez Shelly Zora. Donc ça, c'est la reine des Zora, il me semble. Du coup. Ouais, j'ai plus le nom. L'esprit. N'importe. Elle est morte, hein, voilà. Ouais, elle est morte, c'est l'esprit. L'esprit Zora. On est obligé de le lire parce que. Après, il doit aller à Snowpeak. Des neiges. Pour récupérer plein de trucs, notamment un énorme boulet avec une chaîne. Oui. On sait pas où il range d'ailleurs. Tant pis. C'est magique, hein, c'est Mary Poppins. Son sac, elle sort. Il peut sortir n'importe quoi. Bon, ça, c'est un peu dans tous les Zelda. Ils ont toujours des énormes objets, on sait pas où ils les mettent. Ah, désolé, mais non. On enchaîne un peu une partie un peu chiante parce que c'est. Pour l'instant, c'est vraiment Clair et Twilight et puis ensuite c'est fini. Ensuite, on repasse au donjon et au moment intéressant. Donc, Tears of Light. Tears of Light. On dit l'arme. Pour moi, c'est l'arme. Je me suis renseigné. Bibi avait raison. Donc c'est des larmes, on sait pas pourquoi, des larmes de l'esprit. Donc la deuxième série, sauf dans cette série, il y a un mini-boss à tuer, donc c'est un peu plus intéressant, ils auraient dû le faire beaucoup plus. Il y a un mini-boss à tuer. Ouais, c'est vrai que ça aurait été plus intéressant de faire les Twilight s'il y aurait eu justement un boss à la fin de chaque. Ouais, ça aurait été... ça aurait été plus logique. Un peu moins de perles, mais un mini-boss à la fin comme cette partie-là. Beaucoup plus intéressant. En fait, il y a quelques passages dans Warrior Princess que je n'ai jamais compris, les développeurs. Comme par exemple l'énigme avant la Master Sword. On ne sait pas vraiment pourquoi il y a cette énigme, en fait, on la retrouve qu'une seule fois dans le jeu. Et c'est mou, mais... On aurait dit qu'ils ne savaient vraiment pas quoi faire à ce moment-là. Ils se sont dit, bon, on va mettre une énigme, allez, c'est parti. C'est comme dans SS où tu dois faire l'espèce d'énigme avec les îles volantes et tout pour aller charger la Master Sword ou je ne sais quoi. Or, je n'ai jamais fini SS parce que j'ai trouvé un poil ennuyeux, même si je m'ai regardé Iron. On est vers le lac Ilia. Donc le Big Fun, encore une fois le Big Fun, mais c'est pas grave. Dans chaque jeu, il y a toujours des moments dans une run un peu moins fun. Ça fait aussi partie de la run. Et c'est aussi difficile pour le runner de rester concentré dans ces moments un peu plus mous. C'est aussi très difficile. Donc comme là, vous vous rendez sûrement pas compte si vous n'avez jamais runné, mais rester 3 heures concentré sur un jeu, ça demande vraiment beaucoup de concentration et c'est très fatigant. C'est vraiment fatigant. Et dans les moments un peu plus mous, le runner les ressent exactement comme nous. Et c'est pas facile, il doit vraiment rester concentré. Et ne pas trop boire également. Pas trop boire. Dans ce jeu, il n'y a que 3 cutscenes où on peut aller partir faire autre chose. Donc faut prévoir avant, voilà.
Ouais. Même la bouffe, tout. Donc qu'est-ce qu'il va faire le mini-boss maintenant? Je sais plus si on est obligé de faire le mini-boss avec la dernière pelle ou on pouvait le faire avant, je m'en souviens plus. On va voir ça. Là c'est complètement RNG, c'est un peu énervant. Ouais. 211 000 $, besoin de bourrer les dons. Il faut bourrer Jackie Lafrite pour Borderlands, hein, je le rappelle. Ah, Jackie Lafrite. Jackie Lafrite, pour le moment, il est 3ème avec $168 et le premier est à $559. Donc continue de bourrer les dons pour l'initiative Jackie Lafrite, hein, très très important sur Borderlands, qui sera après la run de Bioshock Infinite. Donc continue de bourrer les dons, très très important. Jackie Lafrite, la nouvelle icône. Nouvelle icône francophone. Il biffe pitié, qu'est-ce de lui? Man of Gamelon tout. Donc cette année, il n'y a pas de. On peut le rappeler, il n'y a pas de Low Humble Bundle spécial à JDQ. Par contre, il y a des soldes. Des soldes JDQ. Donc pour un peu changer, donc pour aller voir. Il y a certains jeux un peu moins chers, profitez d'aller voir sur le Humble Bundle. Donc il y a les classiques t-shirts The Yeti. Ils sont aussi très beaux cette année, donc n'hésitez pas à commander. Par contre, il y a quelques frais de port pour la France. Encore un peu plus pour la Suisse. Donc prévoyez ça. Commandez. Tu seras la seule personne à commander en Suisse. Non, maintenant je triche un peu, je fais livrer en France. Parce que je suis frontalier, donc ça. Bon, il y aura peut-être Lowski qui commandera aussi. T'as du pot. Peut-être. quand on dirait 90 ou le 90. Non, mais je fais l'effort de le dire. Moi, je dis 20 et pas 20. Voilà, point. 20. Ouais, moi, je dis 20, c'est juste. Je fais même pas attention. Mais il y a encore certaines raisons de la Suisse. On dit pas 80, on dit 80. C'est encore plus compliqué. Oh, 80. 80. Bon, moi, dans ma région, on le dit pas, heureusement. N'oubliez pas de donner pour karaté. Oui, il y a quelques autres. Mon karaté. Où en est-il, karaté? Karaté pour Fallout. Karaté est premier pour le moment, mais continuez. Il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a que $250 d'écart, donc vous pouvez continuer pour karaté. Sur Pokémon. Oui, est-ce qu'on a Pokémon. Ken Bogard est en tête pour le moment. Avec presque $1000. Pas mal d'avance, mais continuez parce qu'on peut se faire snipe au dernier moment comme lors du dernier event. Puis sur Wind Waker, tu commenteras Zelkis également. Ouais. Le Germanche est deuxième. Bon, le premier est à $704. Ce sera vraiment très difficile de l'avoir celui-là, mais bourrez les dons. Très important. Ouais. Je fais un petit récap des différentes choses qui se passent. Il y a encore quelques jeux bonus qui sont pas encore. Pas encore bon, genre Minecraft par exemple, que je commenterai samedi prochain si tout va bien, si le jeu bonus est accepté. Donc que se passe-t-il? Que se passe-t-il sur le chat? Donc là on récupère toujours les différentes. Donc là très intéressant, il faut le savoir, il faut retourner jusque dans la cité d'Hyrule, donc vers le château, pour récupérer une malheureuse paix. On sait pas trop comment elle est arrivée là, mais elle y est. Pour faire visiter. Normalement, on passe par la place du marché en plus. En plus, ouais. Et il me semble qu'il y a une cutscene. Donc là, on récupère cette petite perle ici. Quelqu'un peut m'expliquer les défis à faire? Alors, tout simplement, il y a quelques spécificités. Par exemple, on peut renommer. Un nom de sauvegarde, un nom de personnage dans différents jeux vidéo. Et ben nous, les Français, on décide de mettre tous nos dons ensemble pour pouvoir, par exemple, renommer le nom de la sauvegarde Borderlands en Jackie Lafrite, par exemple. Donc en fait, on accumule tous les dons francophones sur un défi pour pouvoir battre les Américains, qui eux également font la même chose. J'espère que tu as compris mon explication, je sais pas si j'ai été super clair, mais c'est très très important. Très important. Et c'est aussi important de montrer qu'il y a un restream FR qui est en place, qui est toute la semaine en front de page de Twitch, donc c'est aussi super important. Et vous êtes énormément à suivre le restream, ça fait vraiment plaisir pour cet événement caritatif. Donc il y a les différents liens à chaque fois
soit dans le chat ou dans la description Twitch pour pouvoir faire un don ou tous les défis et tout. Donc là, on commence à arriver vers la fin, enfin, de ce Twilight absolument inutile et ennuyeux. Pour être très honnête. Ouais. Et juste à la fin, on va aller carrément se suicider. Pour pouvoir ressortir et descendre tout en bas, choper l'avant-dernier insecte. Donc là, comme vous avez tous bien suivi, c'est la deuxième fois qu'on embarque à travers ce gros oiseau. On l'a déjà pris avant pour gagner un peu de temps. Et là, il nous sert vraiment pour récupérer les différentes perles. Et on se suicide pour gagner du temps. Regarde un peu le chat. Le lac qu'il y a. Donc plus que deux perles. On y arrive. On voit le bout du tunnel. J'ai gagné quoi? Un pain au chocolat, une chocolatine. On ne fera plus de débat. C'est fini, le débat est terminé maintenant. Donc là, le fameux mini-boss, enfin l'action. Donc mini-boss pas très difficile pour la dernière perle. Voilà ce qui manquait un peu dans les autres parties de perles, un mini-boss. Donc là, on doit s'accrocher à son espèce... Bon, c'est un peu vulgaire ce que je veux dire, mais on doit juste s'accrocher au boss pour lui faire quelques dégâts pour pouvoir le tuer. Quoi, petit setup pour justement l'enchaîner en un cycle. Enfin, en un cycle. Lui donner des dégâts plus rapidement. Il attend. Hop, et c'est réussi. Il va très vite. Juste viser une de ses pattes, une seule, avec l'attaque en B, pour le tuer. Donc voilà un mini boss utile. Il nous sert à récupérer quelque chose d'utile, et c'est logique. Donc on a fini le passage le plus boring de ce Twilight Princess. C'est fait les amis. La run recommence, c'est bon là, la run recommence. On y est arrivé. Remettre le TS comme avant. Hop. Voilà. Donc Zelkis a de nouveau redisparu, donc j'ai senti le coup. J'ai ressenti le coup. Alors, où en suis-je dans mes notes? Je me suis un peu perdu du coup. On en est là. Ok. Donc, bientôt le sac de bombes, très intéressant. Donc, je suis tout seul. Zelkis, la connexion de Zelkis a de nouveau lâché. C'est triste. Quel est-il à part ça, les amis? Vous êtes encore 2000 à cette heure-là. Merci du soutien, merci pour ces ventes caricatifs. Très très important. Je suis Zelkis. Oui, je suis Zelkis. Ouais, 1h18 de run, quelques petits fails, j'ai reçu d'autres trucs assez bien, donc ça passe. Alors, chasse aux insectes, ça on a fait. Maintenant, on est dans la province de l'Eneru. On aura besoin du sac de bombes, les bombes d'eau, et le vrai sac de bombes, on aura besoin de tout. On aura le fameux rocket swimming. L'eau, c'est pas bon pour la santé. Zelkis est encore chez AOL. Peut-être. Je vais utiliser un guide pour mettre certains mobs. Non. Le loup, bien évidemment. Donc là, s'il me semble, on va apprendre une botte secrète. Donc, tout au cours du jeu, on pourra apprendre quelques attaques spécifiques avec le loup. Donc voilà, Zelkis est connecté via le Engage 2. Peut-être, on ne sait pas. Zoom l'hashtag, je suis Zelkis, bien évidemment. Très, très important. Donc là, voici le loup. Le loup doré. C'est assez difficile de...
d'expliquer, mais à quoi sert ce loup, d'où il vient? Je me suis toujours posé la question. Pourquoi y a-t-il un loup? On n'a aucune explication sur eux, en fait. C'est assez mystérieux. Je sais pas si vous en avez une dans le chat, mais n'hésitez pas à donner vos avis. Donc là, on va parler à la charmante demoiselle. Pas du tout. Donc là, encore un fight messager. Donc on a l'habitude de ces fights. Hein. Des fights pas mal répétitifs. Ils ont vraiment bien insisté là-dessus. Pour bien nous montrer qu'on est toujours sous présence du crépuscule et qu'on va pas se sortir aussi facilement. Ganondorf est persuadé à nous tuer. Donc là, pas très difficile encore une fois. À ne pas comprendre avec bourré Zelkis avec un hashtag, c'est moins agréable. Mais Zelkis n'est pas suisse, il a une connexion très correcte. Sauf qu'il n'est pas chez lui. Ouais, on a sauvé la gentille demoiselle, parce qu'on est un vaillant chevalier qui aidons les gens. On est Link, on sauve tout le monde et on demande rien en échange, c'est quand même génial. Aucune reconnaissance, rien du tout. On est juste le héros de la légende. Donc, on réutilise notre petit Oko. Oko. Comme vous le sentez, hein, j'ai jamais la prononciation exacte. Pour aller dans le temple et récupérer les différentes bombes. Voilà, les bombes, on les a. Donc, on doit pas avoir le Zoro Armor. J'aimerais que Zelki soit là parce que lui il connaît parfaitement le glitch. On va vous l'expliquer beaucoup mieux que moi. Donc là, on ne va pas mettre l'armure de rat, on va équiper les bottes et on va coller jusqu'au fond de l'eau. Donc je vous dis juste après, on va récupérer d'abord toutes les bombes. Ganondorf, non mais calmez-vous. Est-ce que Zelki c'est là? Non, il n'est toujours pas là, Zelki n'est toujours pas là. Mais c'est pas grave. Bon, on réutilise de nouveau Oko. Gamers can give something back. Hype for the staff and all the behind the scenes crew and best of luck to the speedrunners. My donation goes for Symphony of the Night. Buvez, très important comme moi. Ah bah il fait pas le... Ok, très bien. Très 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 bien. C'est pas exactement comme j'avais prévu. C'est pas grave, reprenons les notes. Juste ici. Donc le domaine Zora, magnifique domaine Zora. Ah, d'ailleurs, on peut un peu parler de l'OST du jeu, qui est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Donc ma chanson préférée, personnellement, c'est quand Midona est malade. Midona malade, c'est vraiment la plus belle musique du jeu pour moi, on l'entendra après. Enfin, je sais pas si vous allez beaucoup l'entendre. Donc là, on a mis les bottes, on met la bombe. On attend que le rocher explose. Le rocher qui est un goron, en fait. Un goron dans Domaine Zora, what the fuck? Et là on récupère le vrai sac de bombes. Très important. Une bombe à mèche dans l'eau. Monsieur Ganondorf, d'où vient ton pseudo? D'où vient mon pseudo? Bah en fait, je crois que mon tout premier jeu vidéo c'était un Legend of Zelda. Et genre je trouvais le Ganondorf trop badass, c'est là, il est trop méchant et tout. Il kidnappe les jolies filles, non pas du tout. Mais j'ai trouvé cool, j'ai trouvé le personnage cool, j'ai toujours bien aimé. Et ça faisait... vraiment... le contraste avec ma voix assez spéciale. Donc je me suis dit, allez, Monsieur Ganondorf, c'est cool, c'est fun. Donc là, on va jump en bas pour gagner du temps, hein. Pas tout escalader. Midona malade, c'était la plus belle musique, groupe psychopathe, va, mais non. Malheureusement, on n'entend jamais les musiques du jeu, ouais. Même moi, sur le stream US que je regarde, j'entends très peu la musique, mais vous devez encore moins l'entendre, du coup. Ça doit encore être moins pratique pour vous. Donc là, on est... On est dans... Je vais essayer de vous retrouver le nom de l'endroit. Donc c'est les mines... Où suis-je dans mes notes? Je suis perdu dans mes notes. Donc on va... De tombe de glace. Un petit peu. Totalement perdu les notes. Hein. Tu es perdu. Ah voilà, c'est bon. Bon, j'ai réussi à me reconnecter. Il est là. Zelki, c'est là. Formidable. Regarde, tu as le stream, c'est bon? Ouais, c'est bon. Le stream, il déconne pas, il y a que le TS. C'est bizarre. Donc les Snowpeak Ruins. Donc les ruines des neiges. On peut dire ça comme ça. Exactement. Et oui, bonjour à ceux qui arrivent, bonne nuit à ceux qui partent, ou bonne journée à ceux qui partent.
Je trouve qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont fait une nuit blanche. Il a encore fait un map glitch pour pouvoir accéder à cette zone. Sans être obligé d'aller faire toute la quête. Ouais. Le glitch là, justement, cet endroit précis, que l'on ne peut pas faire. Que l'on ne peut pas faire en japonais. Je me mets juste 2 secondes, je me sers à boire. Point I'm going to Snow Peak is just to get the ball and chain. The ball and chain we need for Vance. Voilà. Quand il l'a fait, il doit passer le même segment. Le passage, c'est sympa plus tard. Quand il utilise le grappin pour éviter de monter à l'échelle, pour gagner un petit peu de temps. Grimper aux échelles, ça donne pas mal de temps dans les Legend of Zelda. Les pics blancs, voilà, merci. J'avais un blanc du coup. Pour le coup, j'avais un blanc. Pour les pics blancs. Ah, il fait pas le blind snowboarding. Non, en gros, fait si vous faites un long jump attack, le long du rebord, vous pouvez ne pas les buter, mais en contrepartie, vous devez faire. Le snowboard en invisible, en quasi invisible. Peut-être va-t-il le montrer à la fin du run, on verra. J'ai encore un message, un fight des messagers. Ils nous en ont mis beaucoup. Hein. Donc le géant. Avec qui on est censé faire la course. C'est une espèce de Yeti. C'est une espèce de Yeti. C'est un Yeti. À l'univers Zelda, ouais. Qui pêche des poissons. Bah, du coup, j'ai oublié toute la partie Rocket League Glitch et tout. Ouais. Heureusement. Donc là, on doit aller ridiculiser le Yeti à la course de Snow. Improviser avec la glace. D'ailleurs, petite anecdote, quand j'étais petit, j'étais bloqué ici parce que je savais pas comment on faisait apparaître le snow. Genre, j'ai passé des heures à tourner dans le niveau sans jamais savoir ce qu'il fallait faire. Alors qu'il fallait tout simplement faire une petite roulade dans l'arbre. J'étais très déçu. Je n'avais pas encore internet à ma disposition, donc c'était compliqué. Là, on va les rattraper assez facilement, le Yeti. Et environ 150 rubis à récupérer rien que sur les arbres. Sachant qu'il en faut 300 pour pouvoir réparer le canon et accéder à Celestia. Bon. Très important de récupérer 300 rubis. Bah après c'est à lui, il connaît sa route, il sait gérer son... sa route. Puis avant il a récupéré 2 fois le rubis jaune au début, donc ça en fait déjà un peu moins. Ah oui. Donc ça lui de sentir. Mais... faut juste pas l'oublier. Donc là il en récupère pas mal. Il les prend pas tous. Dans le jeu on a pas besoin de plus que 300 rubis pour la run du coup. Il faut y aller pour détester un Zelda. Détester, c'est un grand mot. On a le droit de pas apprécier certains Zelda. Mais au point de détester, ça... je connais pas beaucoup de monde qui déteste la série des Zelda. C'est quel âge Ganondorf ? J'ai 21 ans. Je suis un grand enfant. Là, un temple assez original, je trouve. Dans un espèce de manoir. Dans un décor hivernal. Ah, c'est Snow Peak Ruins. Snow Peak Ruins, merci. Donc, hop, on peut clipper à travers le sol. Tout à fait normal. Super jeu. Ah, c'est formidable les longs jumps attack. Et là, on va peut-être faire le tout nouveau setup. GGA, oui, il le fait. Hop, on vise la fenêtre. Et là, ça revient encore au truc en fait de le boomerang qui passe derrière les textures et qui permet justement de faire CLJA. On gagne un temps énorme en faisant ça. Ah oui.
Ah, oui, je pense qu'il va jouer safe. Ouais. Je pense qu'il va jouer safe, il a déjà perdu pas mal de temps, donc il a pas envie de fail encore un peu plus. Il y a la fameuse attaque, les pieds qui tranchent vers l'avant, qui nous rend invisible, invincible aux chutes. Classique dans les jeux de Zelda. Donc je suis nouveau tout seul, Zelkis a de nouveau déco. Donc pas de soucis. Le pauvre, il doit pas être bien. En plus, c'est son jeu à lui, donc il doit être au fond. Alors, donc on va bientôt récupérer une espèce de grosse boule Balls and Chain qui va nous servir plus tard pour la run. Genre, quand Zelda sauve Link, c'est que ça part en couille. Ouais, bon. La fois où Zelda sauve Link, il y avait sur CDI. On peut pas vraiment citer ça comme. Comme exemple, hein, sur CDI, les pires Legend of Zelda. Donc là, on doit tuer le boss pour pouvoir récupérer l'espèce de massue avec une boule en fer et la chaîne en fer qu'on va pouvoir récupérer comme item. Donc là, il l'a tué extrêmement vite. Normalement, il peut prendre beaucoup plus de temps. Mais là, il l'a tué extrêmement vite. Bravo à lui. Normalement, ça prend du temps. On doit essayer de se placer derrière l'ennemi pour pouvoir lui asséner. Le setup du kill en un seul coup, mais là il a réussi le premier coup sans souci, donc cool. Donc là on va récupérer cet item qu'on va mettre dans nos poches, on ne sait pas par quelle manière, dans le sac de Mary Poppins, comme j'ai dit avant. On le récupère. Donc voilà. Un item assez inédit, dans les autres Zelda on n'a pas cet item là. Quel est pour toi le pire Zelda? Bah c'est les Zelda sur CDI. Sans hésiter. Sans hésiter, c'est les Zelda sur CDI. Les pires. Pour moi, un Zelda où Link parle, le Zelda est raté, parce que Link ne doit pas parler. C'est ce qui fait le charisme du personnage. Ganondorf, moi qui n'ai pas encore fait ce Zelda, il est vraiment si différent que ça des autres Zelda. Je trouve que c'est toujours ça... Oui, il est différent. Chaque Zelda est totalement différent, comme j'ai dit avant, c'est pour ça que j'aime bien la série. Ce Zelda est totalement différent. Vous pouvez... Certains le comparent à Ocarina of Time, un peu dans l'ambiance, l'univers. Mais moi, je suis pas totalement d'accord. Je trouve qu'il est quand même pas mal différent. Pour Ken Bogart à gauche. Pour les défis FR. Tout simplement. Pour les défis FR. Plus simple, c'est quand Link ne parle pas, oui. Link émet des sons, des gémissements ou des cris quand il jump vers l'adversaire ou qu'il reçoit un dégât. Alors quand il est avec très peu de vie, il souffle. On l'entend souffler, mais il ne parle jamais, Link. Un Link qui parle, pour moi, c'est pas normal. Link fait le meilleur monologue du monde, imaginez 2 secondes. Il y a différentes Zelda Crossbow Training. Bon, après, Crossbow Training, je le considère pas comme un vrai Zelda, personnellement. Allez, je l'ai dans ma collection, mais je trouve pas que c'est... Ouais, c'était un petit... C'était une petite spécialité. Je sais pas à quoi ça sert. C'est comme Hyrule Warriors, par exemple. C'est un peu différent, mais moi, je les considère pas vraiment comme des jeux de la saga... De la saga, tout simplement. Malgré les personnages de Lana que j'avais adoré dans le dernier... Hyrule Warriors. D'ailleurs, il y a bientôt encore une version qui sort sur 3DS, j'ai vu, de Hyrule Warriors. Pourquoi pas, on va essayer. On pourra se battre avec Tetra de Wind Waker à l'intérieur. Ah, donc là, oh non, je l'ai pas, j'ai oublié le glitch. Donc là, on a glitché à travers le mur pour se rendre directement au boss de ce temple. Donc un glitch, on doit mettre la bombe. La bombe va nous propulser dans le mur. On va tout simplement se diriger vers le bas de l'arène pour affronter le boss, simplement. Donc là, c'est un peu cheat parce que normalement, vous voyez votre jauge de respiration en haut à gauche qui baisse, qui baisse, qui baisse. Donc là, si la logique serait respectée, on devrait mourir. On devrait mourir. Sauf que là, ben, en fait, le jeu, on va un peu le manipuler et on va pas du tout s'étouffer sous l'eau, en fait. C'est assez compliqué, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on est censé... Ah ben, il a fail.
il a un petit peu fail, il est mort noyé. Normalement, il est censé arriver en bas, déclencher la cutscene du boss, pour ensuite, bah, il gagnera toute sa vie d'oxygène. Mais là... Non, Zelki, son cran en toi. Zelki, son cran en toi. Donc là, bon, je sais pas trop comment il va faire, du coup, pour rattraper ça. C'est encore un fail. Il a fait quelques fails, mais... vraiment pas facile à faire. C'est pas un jeu facile à run. C'est pour ça qu'il y a pas autant de peu de runners français. La difficulté décourage très, très souvent les runners. Donc là, il va recommencer pour y assister au glitch. Donc là, il s'accroche au truc. Grappe, hein. On passe à travers les murs. Le jeu est totalement cassé. Hein. Le jeu est totalement cassé. On va se diriger sur la warp zone. Et on va se diriger vers le boss. Donc là, j'espère qu'il va réussir. Ok, il doit mettre les bottes. J'espère que c'est bon. Normalement, comme vous l'avez vu, il met les mains. Il croise les bras parce qu'il a pas besoin de toucher la manette normalement. Il a pas besoin de toucher la manette. Normalement, il doit arriver vraiment à la frame près. Dès qu'il a plus de vie, normalement, il doit toucher le sol. C'est la logique est bien respectée. Donc là, c'est bon, vous voyez. Donc là, il va pas mourir de suffocation. Et là, le jeu est cassé. Parce que, bon, là, il a la tenue Zora, donc ça passe. Allô. Allô, re, Zelkis. C'est bon, on va y arriver, c'est bon. Ouais, j'ai tellement à foi. Il a tombé assez vite. Il a réussi le glitch au bout du deuxième essai. Donc un boss assez intéressant. Mais je trouve que dans ce jeu, les boss sont très moches tous. Ils sont vraiment très hideux. Ah ouais, avec des couleurs très... le plus gros troll de la run. Ouais. On va lâcher les bombes. Donc on peut pas le faire en une frame, on a dû le faire en plusieurs fois. On replace les bombes dans l'inventaire, on met les bombes. Honnêtement, c'est pas si dur à faire que ça une fois qu'on a chopé le truc. Après, le faire avec deux bombes, c'est la strat la plus optimale à faire, mais... faut vraiment, vraiment faire gaffe. Vous voyez là, à chaque fois, ça reset la barre d'oxygène. Chose un peu cassée. Si vous appuyez sur Atroto et que vous ne maintenez pas le stick avant de quitter le menu, ça vous fait faire justement le rocket thing glitch. Et vous remontez très vite en haut et vous êtes mort. Simplement. J'ai pas trop suivi pourquoi ils applaudissaient derrière. Il y a eu un parce que c'est un boss très compliqué à faire. Okay. Ça marche. J'ai compris. Horrible boss sous-marin. Pas très facile à faire, effectivement. Bonjour à ceux qui se lèvent, rebonsoir à ceux qui n'ont pas encore dormi. Exactement. Salut à toi, monsieur Bourg Palestique. Bonjour à tous ceux qui arrivent également. Bonjour. C'est quoi les défis effets? Très bonne question. Les modérateurs vont vous l'expliquer, ne vous inquiétez pas. Ils sont très, très forts pour ça. Ils ont suivi des cours depuis plusieurs semaines pour vous l'expliquer. Donc comptez sur eux. Ne vous faites pas sur Gaming Live Powerplay, la personne derrière. Oui. Donc là, on a déjà pas mal avancé dans pourquoi le jeu. Pourquoi il tue Morphile s'il y a déjà la Master Sword? Laisse-moi réfléchir quelques secondes. Je vais pouvoir te dire. Je sais la réponse, mais ça m'a rien. Ah, donc là, très intéressant, il a récupéré un réceptable de cœur. Il les récupère pas à chaque fois. Déjà pour ça, en plus. Parce que scénaristiquement, t'es censé avoir nettoyé 3 Twilight, quand même. Parce qu'à ce compte-là, bah oui, il en a besoin, parce que sinon, il peut pas faire, comment ça s'appelle. Le jeu ne comprend pas, ne peut pas enchaîner la suite, notamment à cutscene là où on doit sauver Midna. Qui a d'ailleurs l'une des meilleures musiques du jeu.
Oui, bah exactement depuis maintenant. Et là, il fait d'ailleurs un petit C-down pour annuler le lag. Notamment dans le désert, ça souffle 4 secondes quand même, c'est plutôt pas mal. Et ouais, en fait, c'est simplement dans la trame scénaristique. C'est pour ça qu'on peut skipper le premier temple et Groundsmine le deuxième temple. On n'a absolument pas vu. Ah, cette fameuse musique que je disais avant, ma musique préférée dans le jeu. Ah, moi j'aime bien Farron's Wood en normal. Ah ouais, là, ouais. Ou encore le village. Moi j'aime bien celle des pics blancs et puis Midna the Spirit là. C'est mes deux musiques préférées. Moi j'aime bien les musiques tristes dans les jeux vidéo comme ça. Surtout là, l'ambiance c'est vraiment très triste. Tu es un peu emo sur les bancs en fait. Non, je suis un petit peu emo et oui, effectivement. Et là c'est triste de voir cette Midna qui est toujours là pour nous aider. Et là, elle a vraiment l'air mourante, bah elle est mourante. Elle empêche, sans mauvais jeu de mots, elle le prend un peu pour un chien au début, Link. Ouais. Après, ça va. C'est un peu l'exemple typique de Tsundere ou un truc du genre. La vraie forme de Midna. Et qui est sexy Midna. Bon, on verra ça qu'à la fin. Et pas encore pour tout de suite. Ça c'est un gros chat, un beau gros chat. Et ils ont des noms je crois ces chats, mais il faut que j'y retrouve. Je vais vous dire les noms de ces animaux. Où sont-ils? Est-ce que je les ai? Je n'en trouve pas les noms, désolé, mais ils ont des noms les deux animaux, vous pouvez vous renseigner. Yandere. Oui, c'est Yandere. Pas importe. Il y a toujours une espèce de théorie autour des masques du masque de Midna. Ça ressemble énormément au celui de Majora. Loving the Twilight Princess speedrun. Speaking of favorite series, screw attack those frames, animal those saves. Allez savoir pourquoi les gens dans le jeu ont des corps suspendus dans leur maison. On sait pas trop pourquoi. Des fois, fuck la logique. Hein. Oublie qu'il y a une logique. Et fonce. When Twilight Princess first came out, I played for almost 30 hours straight and got nowhere near the end. It's hilarious to see this game get beat in a tenth of that time, like it's no big deal. Donc là, on va récupérer une gemme de soul, de peau, pardon. Donc il y en a certaines à récupérer. Donc on fait par exemple le 100%. On va récupérer toutes ces perles dans le jeu. Ça prend beaucoup de temps. Là, c'est un peu un type qui faisait un peu peur sur ces pièces de monnaie. Toujours la petite musique triste qui nous suit. Donc là, scénaristiquement, on va aller retrouver la princesse Zelda pour soigner Midna. Donc, Zelkis n'est plus là, il me semblait que Zelkis n'était plus là. Mais tout va bien, tout va bien. Ah. Alors, il y a FR qui a dit, il y a un don d'un français qui a été lu sur le stream US, qui regarde sur le stream FR et qui le remercie Mister MV pour l'organisation et tout. Voilà. Donc, très important de faire des dons. On continue, donc on va aller trouver la princesse Zelda, donc on repasse dans les espèces de catacombes, dans les douves d'avant. Donc même passage, hein, même combat. On y va. Sauf qu'on a plus, là c'est compliqué, souvenez-vous, la première fois on avait Midna qui nous indiquait le chemin. Mais là Midna ne peut plus nous aider car elle est malade, donc on doit se débrouiller sans elle. Partie un peu triste du jeu je trouve. Il n'y a pas beaucoup de parties tristes dans le jeu, mais là c'est vraiment la partie fragile. Zelkis se fait des dos en fait. Ah non. Je me ferai aussi des dos sinon. De toute façon, Midna après Like a Virgin, il n'y avait plus personne.
J'ai pas dormi, ben moi non plus, hein. J'enchaîne encore sur le commentary de Bioshock juste après. Donc tout va bien. Mais c'est bien, vous êtes très braves de nous avoir suivi toute la nuit. Quand on va aller soigner Midna, qui est mourante, qui est souffrante. Qui est souffrante car on est allé dans les pics blancs. Les pics blancs, il faisait froid, donc on peut supposer que Midna est tombée malade car on est allé dans un endroit froid. Enfin, c'est l'interprétation la plus correcte. Qui me paraît très logique aussi. Donc Zelda, on va nous passer la cutscene. Ganondorf, tu run quel jeu? Alors, je run Brother The Time of Two Suns et Wind Waker. Je suis pas trop là pour parler de moi, hein. On est plutôt là pour parler du marathon, en vrai. Donc là, Zelda, cutscene. On pouvait la passer. On pouvait la passer. Donc on passe la cutscene. Merci Magel Grams, bonne nuit à toi. Norbert. On retourne dans le château d'Hyrule. Donc cette fois-ci on va aller vers... Cette fois-ci on va apprendre la botte secrète, mais je suis un peu trompé avant. Ganondorf il rule Hyrule et la trophée. Brothers of Tale of Two Suns, je le répète. Et dans le jeu, t'es le méchant. Or ça, ouais, classique. Donc là, d'où viennent ces loups, on ne sait pas, c'est juste pour nous apprendre. Donc c'est un peu les esprits d'anciens chevaliers, d'anciens protecteurs du royaume qui nous apprennent des techniques de défense. C'est un peu ce qui me vient à l'esprit, moi. Mais sinon, ils sont là, on ne sait pas trop pourquoi. Il nous apprend la botte secrète. Le coup vers l'avant. Normalement, il nous apprend ce coup-là. Donc là, pour ceux qui arrivent, je suis avec Zelkis, mais Zelkis a quelques soucis de connexion. Donc il est très souvent déconnecté, il doit se reconnecter au TS, c'est pas vraiment pratique pour lui. Voilà, donc c'était le coup de finition qui va nous servir pour plus tard dans le jeu, vous allez comprendre pourquoi. On est obligé de la faire pour pouvoir terminer les jeux. Vous allez comprendre pourquoi. Il donne la malle du loup de mer. Le chien doré, c'est pas l'esprit d'un Link adulte dans timeline. Or, c'est possible. De toute façon, il n'y a pas vraiment de chance exacte, mais c'est possible. C'est tout à fait possible. La fatigue, non mais calmez-vous. Ça n'a pas de sens, elle tombe malade au temple de l'eau et la glace, c'est plus tard, donc c'est pas à cause du froid. Je sais pas. Après, c'est vrai que dans le run, on le fait à l'envers, mais... Si c'est de la conséquence des deux, on sait pas. Chacun peut avoir sa libre interprétation de toute manière. C'est aussi pour ça que des jeux comme ça sont faits. Il y a l'aventure, mais aussi tous des petits scénarios par derrière. Comme par exemple la timeline. Bon, la timeline, moi, j'ai du mal d'en parler parce que je suis totalement pas d'accord avec ce qu'on sortit dans le livre d'Hyrule, là. Le jeu qu'ils ont sorti. Le livre qu'ils ont sorti. Je trouve qu'en fait, les gens en demandaient tellement qu'ils ont fait un truc vite fait à l'arrache. Et je sens qu'il y a tellement d'interprétations. Il y a tellement d'interprétations, surtout que c'est jamais terminé, donc comme là ils nous sortent un nouveau Legend of Zelda. Et je me demande où il se situera. Mais c'est assez intéressant. Hein. C'est des jeux qui font débattre, donc c'est intéressant. Le loup doré qui soit Link de même adulte, soit un autre Link qui aurait vécu entre MM et Twilight Princess, ok. Le loup doré c'est Zelkis. C'est juste que lui, il peut être choisi le temple qu'il veut, comme ça peut être le fait qu'elle n'est pas dans le crépuscule. Ok. À mon avis, à la base, il n'y avait pas de timeline. Oui, aussi, cette théorie. Enfin, non, je pense quand même qu'il y a une petite timeline sur les premiers jeux. Bah, par exemple, Ocarina of Time et Majora's Mask, il y a forcément une timeline, en fait. C'est sûr. Bah, après, je pense qu'ils ont sorti des jeux et encore, qui on ne sait plus trop où on en était, en fait. Qui est sûr pour moi, c'est que Skyward Sword, dans tous les jeux qui sont sortis, bah c'est la première, dans l'ordre chronologique, c'est le premier qui est sorti, pour moi. On apprend l'existence de la princesse, de la déesse et tout et tout. Et les derniers, bon, c'est pas trop, tout dépend dans quelle catégorie de la timeline on part. On sait par exemple qu'après Wind Waker, on a le Phantom Hourglass, donc le jeu avec le bateau, et le Spirit Track, qui est après Phantom Hourglass.
Donc on sait dans ce tram là, on continue de ce côté là. Mais après le reste pour moi c'est assez flou, j'aime pas trop m'exprimer là-dessus. Windwaker, Phantom of Glass, c'est Spectre Track aussi, c'est facile. C'est très facile, oui, ce que je disais justement de les voir. Il y a les fameux timelines avec deux univers, où Link enfant, Link adulte. Dans la globalité de la timeline. Mais c'est toujours intéressant. C'est ça qui est intéressant dans une série comme ça, c'est qu'on peut débattre. On peut débattre dans les séries comme ça. Zelda 2, suite de Zelda 1. C'est juste. Après, il y a encore des suites, comme par exemple... pas que je dise de bêtises. Four Swords Adventures, qui est à la suite de The Minish Cap, par exemple. Et puis là, il y a encore un nouveau Zelda qui va sortir, qui sera à la suite de Four Swords Adventures, le prochain qui sort 3DS également. Ça, c'est sûr et certain, on nous l'a déjà annoncé. Donc là, on va avoir un deux glitch assez intéressant. Zelkis n'est toujours pas revenu. Je suis Zelkis. Une troisième timeline où Link a fail le Ocarina of Time. Sauf que là, on peut pas dire, parce que... peut-être qu'il y aura une suite à ça. Donc là, normalement, on n'est pas censé pouvoir utiliser le Balance Change pour casser ça, mais le jeu a considéré qu'on pouvait quand même. Et là, on va juste faire un petit clip, on va enchaîner quelques petites roulades pour passer à travers la barricade. Voilà. Que penses-tu dans Skyward Sword, le néant maudit Link, crois-tu que c'est Ganondorf dans le futur Zelda? Mais pour moi, l'avatar du néant, vous dites, pour moi... ben en fait c'est le mal en fait, c'est le mal du jeu. Pour moi il y a le Christ et l'Antichrist, c'est ma théorie à moi en fait, personnellement. Il y a le Christ et l'Antichrist, comme dans la Bible. Pour moi Link est le Christ d'Hyrule et Ganondorf est l'Antichrist d'Hyrule, donc le bien et le mal. Non, revela. Eh, re-Delchis. Donc là un clip assez long, simplement. Un clip assez long. Tu peux peut-être l'expliquer là, si tu vois où on en est. Le map glitch là qui vient de faire. Oui. Alors en gros, pour faire simple, s'il meurt, il softlock. Je commence bien. S'il meurt, il softlock. Plus sérieusement, ça permet de skipper à Boski puisqu'on va directement toucher. Enfin, à la clé. Qu'on va directement toucher. C'est pas une Boski. La zone du boss. Du semi-boss. Simplement, et donc d'accord. On a juste à le défoncer, on va pouvoir entrer dans Arbiter's Ground. D'ailleurs, ce boss là, on le rencontrera une deuxième fois uniquement dans le speedrun. On l'a rencontré quand même une fois avant, mais on l'a pas vu en entier. Ouais. Au moment du Early Monkey. Donc, j'étais un peu dans la timeline, je parlais un petit peu de ça, du coup. Alors, pour moi, l'avatar du néant. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Link il lui enfonce l'épée dans le crâne. Et dans tous les Zelda suivants, Ganondorf a une espèce de rubis qui lui part dessus la tête. Vous pouvez regarder toutes les images de tous les jeux, Ganondorf a une espèce de rubis sur le crâne. Et puis moi je suppose que c'est pour cacher la marque de la blessure de l'épée. Après il y a plusieurs théories, hein. Tout le monde veut sa théorie. Même Zelkis a plein de théories, j'en suis sûr, niveau timeline. Ah mais... timeline c'est un peu sacré, à force. Ouais. Link est mort, pas dans les autres jeux. C'est un peu bizarre. Le masque de Midna. Ouais. Donc la nouvelle route où va certainement. Il clochote les 16 degrés au-dessus. C'est une nouvelle route, avant on passait par la droite en loup. Directement, mais celle-ci sauve un peu de temps donc. On l'a fait. D'ailleurs, je vois que ça part de Zelda CDI dans le chat, à savoir qu'il y a Tompa, qui est un taser et également speedrunner de divers jeux, qui run les Zelda CDI. Et qui sont très durs. Pour votre plus grand bonheur. Ils sont très durs. Ah oui, ils sont très durs apparemment. Non mais si vous vous souvenez bien, l'avatar du néant à la fin du combat dit que la malédiction régnera toujours en fait. Que ce ne sera jamais fini, que la malédiction sera toujours là. Donc pour moi en fait c'est un éternel recommencement à chaque fois d'un Zelda à l'autre. La malédiction est toujours là.
On arrive toujours à sceller la malédiction, mais elle réapparaît toujours. L'oiseau rouge, selon Clinium, puis comment ça y est. Moi, ce qui m'intrigue, c'est le symbole de l'oiseau rouge sur le bouclier ilien depuis Ocarina of Time, qui fait référence au célestrier vermeil de Skyward Sword. Les développeurs ont prévu le truc, ou bien. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être qu'à sa mort, le. Alan, comment s'appelle-t-il déjà? Le créateur de Legend of Zelda. Ah, j'ai un blanc, je ne sais plus son nom. Peut-être nous dira-t-il dans son testament, comme il l'a indiqué, comme il l'a dit, la vraie histoire. Tu sais qu'il y a plein de petits signes qui montrent qu'il y a peut-être des liaisons entre les jeux, qu'ils ont pensé à ça avant. L'Antéchrist est un agent que le diable envoie lors de la fin du monde. Ben exactement. Plonger le monde dans les ténèbres, c'est un peu le thème des Legend of Zelda à chaque fois. Miyamoto, merci. Miyamoto, j'ai perdu des bêtises. Arrêtez avec Iwata. Chaud de retourner ton écran et de voir que le soleil se lève. Eh oui. C'est la magie des marathons. Single le créateur, bah non. Bonne nuit Melkiros, bonne nuit à toi. Ouais, bonne nuit. Je m'y retrouvais dans mes notes. Voilà, j'ai un buffer. Ah, ouais, on dira à combien t'es. 1,56, 22, 23, 24. Ouais, nickel, ça va. Ok, ok. Mon ami Amoto. Ce donjon est horrible pour trouver les âmes. Il va glisser, je suis sûr. Non, il va utiliser le boomerang. A savoir que d'ailleurs, on peut faire un skip du premier pot. Mais c'est extrêmement compliqué, le fantôme, quoi. C'est extrêmement compliqué, il faut jouer très bien le reste, parce que sinon... c'est du temps perdu pour rien, en fait. C'est une minute de sauver. Les différents... Donc on récupère encore une de ces perles. Ils ne servent uniquement dans un run 100%. Bah dans la timeline, après, après Majora's, il y a Toa Princess. Ah non, pas du tout. Pour moi, Majora's Mask, il n'y a pas d'histoire à la suite. On ne sait pas trop. C'est un peu le mystère. On sait que Link repart avec Epona, mais après on ne sait pas la suite. C'est pour ça qu'il y a toujours des nouveaux Zelda qui sortent. Pour continuer cette timeline. On récolte deux âmes déjà. On ramène l'utilisation du boomerang abusive. Beaucoup trop d'utilisation abusive du boomerang dans le jeu. On ouvre la porte. Donc Milda nous fait vraiment beaucoup de travail, nous ouvre les portes et tout, elle est vraiment cool. Elle est vraiment cool. En tout cas, moi j'ai juste une attente dans le prochain Zelda. J'espère qu'on aura Lana de Hyrule Warriors. J'aimerais trop revoir ce personnage dans le prochain Legend of Zelda, personnellement. Donc là, Boomerang, très intéressant. Dès le retournement, on jump. Et on gagne un temps fou. Grâce au boomerang, le boomerang item le plus cassé du jeu. Les développeurs n'avaient vraiment pas pensé que les runners utiliseraient ce boomerang de cette manière-là. Celui qui a découvert ça est un génie. Donc là, il va totalement knocker les boss. Les personnes qui ont découvert ça, c'est Kazooie qui est un gros glitch hunter de Ocarina of Time également. À l'époque, en 2006. Avec Sexy Zora aussi. Ok. Vous conseillez quoi comme jeu pour se mettre à runner? Alors, je te laisse répondre, Zelkis. Qu'est-ce que ça dans le chat? Laisse-moi retrouver la question. Pour se mettre à runner, Twilight Princess? Évidemment. Un jeu pour se mettre à runner, non. En vrai, si vous voulez vraiment apprendre à runner, commencez déjà par des Super Mario classiques. Voilà, tout de suite. Pour un bon entraînement, ouais.
Mais non. Ah si. Moi j'ai commencé par là. Après tout le monde a ses styles de jeu qu'il préfère. Comme moi je renais un jeu vraiment très très spécial par exemple. Mais... Ouais, moi, je renais... Honnêtement, Twilight Princess à l'époque où j'avais appris, il n'y avait aucun tuto, enfin, c'était très, très petit. Maintenant, il y a beaucoup de tutos, le jeu s'est énormément simplifié. Honnêtement, je trouve que c'est un jeu facile maintenant. Il y a des difficultés, certes, mais. Si vous voulez runner le jeu, il n'y a pas de souci, il y a beaucoup de tutoriels, même toi, tu en as fait. Le mien est complètement OD. OD, mais tu en as fait donc. On en trouve des dizaines et des dizaines sur internet. Oui voilà, et même sur zeldaspeedrun.com, c'est là où vous trouvez pratiquement tout. Ouais. Bien Zelda Speedrun quand même. Quand même bien. Après bon, le speedrun c'est beaucoup de motivation et beaucoup d'entraînement. Beaucoup de frustration. Et aussi. Quand on est à 2 heures de run et qu'on a totalement fail un move et qu'on oublie de recommencer parce qu'on n'aura plus le temps de faire son record. Ou quand tu meurs à fin de la boss, à fin du jeu. Tu n'arrives pas à tuer Ganondorf à la fin. Déçu. Non mais ça arrive. Ou quand tu as battu un record et que 2 heures après tu apprends que ton record a été battu, t'es aussi mad des fois. Ah oui. Il y a plein de petites frustrations qui... Ça arrive, ça arrive. Ou quand t'as été battu de 130 millisecondes, c'est ça aussi. C'est aussi la déception des fois. Oui, bon, Zelda Speedrun est toujours down, mais... Ouais, utiliser un aspirateur de website, et puis voilà. Le truc qui existait en 2005, tout ça, je sais plus. Mais non, plus sérieusement... c'est pas aussi down que ça, hein. Ça marche bien quand même, Zelda Speedruns. Je pense que pour commencer à runner, il faut commencer par un jeu qui vous tient beaucoup à cœur. Ça vous encouragera plus. Exactement. Maskevich. C'est exactement ça. Ah oui. Faut pas runner un jeu qui ne vous plaît pas. Merci pour ces citations, Noirdez. Le speedrun, c'est avant tout de la coke. Non, je dirai pas la suite. Événement caricatif, oublie. Merci Noirdez. La première fois, il est galère, toi et Princess, avec le temple de l'eau. Bah, faut plus demander ça à Zelkis, parce que. Il l'a séché, le jeu, donc. Moi, je ne l'ai jamais renu, celui-là. Ouais, mais. Honnêtement, c'est juste du practice. C'est le boss qui est dur à faire, c'est tout. Mais, faut juste de comprendre, comme je dis, il y a des tutos à l'infini dessus. Il y a vraiment moyen maintenant d'apprendre le jeu sans trop avoir de soucis. Il y a 2-3 trucs qui sont durs, mais comme tous les jeux, aucun jeu n'est vraiment facile. Donc bon. Sauf la petite sirène. Oui, bon, et aussi Bard. Donc ça, c'est un temple qui nous prend pas mal de temps dans la run quand même. Je pense que c'est l'endroit où on passe plus de temps dans un environ, temple. Environ 15 minutes, 15-20 minutes. Ouais. Il y a beaucoup, je trouve qu'on passe beaucoup de temps dans celui-ci. La fameuse musique d'ouverture des coffres. Que tout le monde a déjà mis comme sonnerie sur son téléphone une fois dans sa vie. Je l'espère. Ouais, comme sonnerie de message. Donc là, on va bientôt récupérer. L'item qui va nous servir pour la suite, ça va être sympa. On va récupérer l'Atopie Beyblade après. Ah, speedrun la Dibou. Ouais. Ah, Dibou, c'est possible de speedrun, je crois qu'il y en a rien. Oui, des speedrun. C'est ADR, si je ne me trompe pas de pseudo. Tout est possible. C'est ça qui m'envoie. On m'envoie une timeline. Skyward Sword, The Miniscap, Force Sword, OT, puis 301E, A, Wind Waker, Phantom Arda, Spirit Tracks, B, ALTTP, les Oracles, et les autres Zelda 2D.
Et la troisième timeline, c'est MMTP Force World Adventure. Bien compliqué tout ça. Ouais. C'est les éternels débats, hein, timeline. Tant qu'il n'y aura pas. Bon, il y a eu une espèce de guide, mais. Je trouve que ce guide, ils l'ont fait pour le faire. Mais sinon, je suis pas. Pas très. Ah, ouais. On arrive donc sur un boss relativement cool, je trouve. Il déboîte tout, niveau design. Oui. On arrive contre Death World. Il est possible de skipper, mais c'est un truc absolument infâme à faire. Il a réussi. Point un phrase en loup. Très facilement. Ouais. Et là, il va enchaîner avec un One Cycle. Psycho. Hop. Il lui fout un coup de grappin dans la tête. Hop. Petit coup d'épée. Trois coups de boulet suivis de trois coups timés plusieurs fois. En fait, un enchaînement de trois coups sans faire le quatrième parce que le quatrième, ça va le faire fuir. Donc, du coup, nous, on essaye justement de continuer à le. Comment dire, à l'infiniser, voilà. Cool, il a très bien réussi. Il a fait une petite erreur, mais dans l'ensemble, c'était extrêmement bien, ouais. Rapide. Assez bien exécuté, rapide. À base, la vraie strat qu'on faisait il y a longtemps, c'était simplement, t'attends qu'il arrive sur toi, tu continues avec le ball and chain au-dessus de ta tête, et ensuite, tu le vises et t'arrives vers lui, et puis bim, 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 bim. Voilà. Et ça, trois fois de suite. T'as peu lent. Ah, la fameuse toupie Beyblade. Qui est bien fun à jouer. Moi, j'ai adoré jouer avec ce toupie. Ah oui, mais le spinner, c'est génial. C'est génialissime comme idée. Je trouve que c'est quand même un peu sous-exploité, mais l'idée en soi est géniale. Elle est super bonne. Même le boss qu'on doit affronter avec ce toupie est vraiment super cool. La façon dont on doit le tuer, je trouve ça super original. Ouais, c'est un peu ça, Hydrobomb. Oui. C'est un peu un boss de Dark Souls. Donc on peut passer dans le sable sans être aspiré. La magie de la toupie. J'avoue, le mec à gauche sur le canapé, il est en mode qu'on m'apporte mes bitches. C'est vrai qu'il est... il a l'air bien fatigué. Donc là, la toupie va nous... permet d'accéder à la partie où se situe le boss dans le level. Vous allez pouvoir voir ça dans quelques minutes, dans quelques instants même. Ça va aller très vite. Donc là, oui. Donc là, c'est une super idée de pouvoir activer un mécanisme avec la toupie. Donc le spin, donc on va tourner pour activer un mécanisme super super original. Bon, ils ont peut-être un peu abusé sur la longueur du spin, mais c'est original. Donc là aussi super fun, un petit parcours avec le spin. J'adore. Moi je compare ça à une toupie Beyblade. C'est exactement pareil. On doit activer le petit mécanisme au milieu. Pour pouvoir progresser. Normal, en casual on doit faire exactement pareil. Vous en pensez quoi de la run actuellement? Alors Je sais que Runner il finit à. Sub 2h Arbiter's Ground. Donc c'est pas une bonne run parce que c'est pas sub 3. Ouais. Il est dans son estimate pour le moment, je trouve. For the entire game. There's a trigger in front of the boss door which is extremely large that closes it. It's really weird. Après, c'est aussi un runner qui va runner Ocarina of Time, pas du tout, qui va runner Wind Waker. Donc il a dû préparer deux Zelda en Call of Record d'ailleurs. Ouais, Call of Record. Donc c'est jamais facile de devoir se mettre dans en condition de commenter deux aussi longs Zelda. Donc on peut comprendre qu'il y ait quelques fails. C'est compréhensible. Donc là, le boss, assez cool je trouve. Le plaisir d'être tué ce boss est vraiment fun, la première partie. En fait, on doit reprendre un rebond avec notre toupie sur le bord en évitant les petits squelettes qui sortent du sable pour aller percuter la colonne vertébrale du mob. Donc, des fois, les mobs sont assez chiants. Donc là, petit fail. Alors, on va chercher, on a évité tous les mobs.
C'est frustrant quand tu arrives pas du premier coup. En fait, ce qui essaie, c'est de se faire retaper comme ça arrive justement là. Il a vraiment très peu de vitesse, mais ça passe. Bon, voilà, il fait un rebond en fait. So with this next phase here, there's actually a cool time saver here, which Thursday here, found by complete accident. And it's pretty annoying to miss, but I'm not expecting to get it. It's not that difficult, but we'll see what happens. Et donc là, bah, le boss est fini, hein. On va pouvoir continuer tranquillement, une fois qu'il aura... une fois qu'il aura remonté tout ça, cette espèce de colonne. Donc à gauche, c'est évidemment Shoko Emo, c'est une Renault sur la princesse. Je tiens à préciser. Et là, en vrai, non. Tu vas activer Dead My Trap Card. Je ne suis pas mort. Et on va devoir l'affronter Star-Lord pour une deuxième phase. Comme le boss du Charisma Team. Ah là, il a mal exécuté le ouais, setup dommage. Qui permet de finir très très vite. Ça prend beaucoup de temps de le faire en deux segments, beaucoup plus de temps. L'idéal pour Renault, c'est de le réussir en un seul segment. Mais là, je doute qu'il puisse. Donc là, hop, ça va être quick spin sur quick spin. Fini. Donc nice. Il a tombé quand même assez vite, ça va. Donc un boss assez original que j'aime beaucoup affronter en général. La petite acclamation normale. On va récupérer le quart de cœur normalement. Donc en gros, Link enfant, celui du passé, c'est là où Ganon n'est pas parvenu à ses fins, mais est revenu quand Link est adulte. Et là, Link le bat. C'est assez compliqué, mais c'est plausible. C'est plausible. Donc aussi, il y a une donation pour I Wanna Be The Boshi Run. Un jeu très frustrant. Ah, d'ailleurs, commenté par Millet. Il y a une pas très bonne connexion, hein. Voilà, c'est à signaler. En plus, il est en train de squatter un lit pendant que moi, je suis en train de m'épuiser. Ça va, ta connexion tient pour le moment, tout va bien. Ouais. Salut Disting, comment vas-tu? Moi ça va bien. Bonne nuit Kelly 27 ans, bonne nuit à toi. C'est pas facile de tenir. Ceux qui ont fait nuit blanche, bravo à vous. Bravo à vous. Prends l'argent mille. C'est un 1%. Heureusement que c'est pas un 100%, ce serait un peu trop long pour un marathon. Ça va, 7 heures, c'est pas long. C'est pas long, beaucoup de patience. Bon, c'est une run moyennement longue. Ouais. Le Kariko village. Et Kariko. Comment ? Normalement, on va faire un petit clip. Bientôt, il me semble. On y est bientôt, ouais. On va bientôt aussi aller au canon. Préparer le fameux canon. D'ailleurs, il y a un trick qui est assez complètement improbable à réussir. On l'a trouvé. En fait, c'est plus pour les runners de 100%. C'est un trick en gros pour éviter le combat, le deuxième combat dans le jeu normalement, avec le King Bublin, vous savez, qui enlève l'enfant et tout. Ça skip only, task only malheureusement. Ça fait gagner genre 5 minutes, c'est plutôt pas mal. Ouais.
À 100%, honnêtement, j'ai déjà essayé. C'est très très dur parce qu'il y a toute une histoire de cycle jour-nuit pour récolter les espèces d'âmes, les pots. Ça, c'est vraiment ouais, compliqué. Ouais. Faut vraiment avoir une route précise et puis c'est très timé. Et aller très vite aussi. Il faut aller vite. Imaginons que tu sortes de tel endroit à tel moment, c'est à nuit, et bah, tu dois à nouveau te réadapter ta route et tout. C'est super dur. La réparation. Ah, du canon. Réparer le canon. Formidable cutscene avec une formidable musique. Donc là, vous voyez, il a pile 300 rubis. Donc il a vraiment bien calculé son coût. Donc c'est les seuls rubis dont il a besoin durant la run. Dès que la cinématique est assez fun. Donc on va voir qu'il va réparer son canon pendant plusieurs jours. Pendant un ou deux jours de suite. 1, 2, en 3 jours et nuit, 4 jours et nuit. Donc pendant 5 jours et nuit, le personnage va réparer son canon. Donc assez sympathique, la petite musique d'ambiance derrière. Donc grâce à ça, on va pouvoir se téléporter dans la cité du ciel. C'est ici en français. C'est ce nom que je connais. City in the Sky, la cité dans le ciel. Mais j'ai remarqué même dans Minish Cap, c'est souvent céleste quelque chose, hein, ouais. Tout ce qui est comme ça dans le ciel. Il semble d'ailleurs que c'est pas Celestia justement dans Minish Cap. Il y a plein de gens qui font la liaison de ce level là et puis Skyward Sword. Beaucoup de théories. Oui, c'est Esbourg. Ouais. Alors je me pose la question, est-ce que les traductions québécoises sont différentes pour TP? Très bonne question. Parce qu'en français, c'est pour dans Majora's Mask, c'est Bourque le chien, en québécois, c'est Bourcadran, et en anglais, c'est Clocktown. Peut-être, voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent nous aider dans le chat, peut-être, on sait jamais. C'est quand même bizarre, Bourcadran. Ouais. Enfin, pas pour... Là, il va directement aller chercher un nouveau... Un nouveau refil de Water Bomb. Il en va en avoir 15. Ça va aider à faire le dernier, l'un des derniers boss du jeu. Ah, il va pas chercher. Étonnant. Non, étonnamment. Donc là, c'est safe. Bon. Oui, cadran bourre. Cadran bourre. Très moche comme nom, ça reste très moche. Je suis québécois alors je suis PD. Ah, Madness. Madness est québécois, donc ça aide. Ok, ok. Donc la petite long jump attack. Et là, petite nouveauté dans la run comparée à récemment en fait. Si on s'approche très très doucement de l'autre salle, en gros le ventilateur du dessus ne va pas s'activer. C'est pour ça qu'il s'approche très doucement et il a appuyé sur ouvrir. Vraiment, pendant un moment. On peut se poser la question, mais pourquoi ça se déclenche pas? C'est assez spécial. Parce qu'en vu que t'es pas collé à la porte, et bah tu ne touches pas la trigger qui permet l'activation du ventilo. D'accord. Donc du coup ça skip une grosse partie, ça sauve 1 minute 30 en 1% de ce que je sais. Et un peu moins en Old Dungeon ou en 100%, je sais plus exactement. Ce qui est beaucoup dans un 1%. Ah oui, oui, c'est énorme. Ça a été trouvé que très très récemment. Il y a peut-être même pas un mois. Oui, c'est tout récent, j'avais vu un post sur ça, je m'étais un peu renseigné. C'est tout récent, c'est un mois et demi je crois. C'est au mois de juin, si je me sens bien. De toute façon, ce qui est bien dans des jeux aussi longs que ça, c'est qu'on pourra toujours trouver des glitches, il y en a toujours des glitches vont être retrouvés par la suite. Par exemple là, tu peux clipper dans le sol, mais ça n'a aucune utilité. Mais peut-être qu'un jour... Qu'un jour, ça va nous servir à quelque chose. Par exemple, pour revenir un petit peu sur l'histoire de TP, il y a la Master Sword, on pouvait choper la Master Sword très tôt, mais ça a mis plus d'un an pour trouver vraiment une route viable
Pour le faire parce que c'était carrément considéré comme inutile comme glitch. Parce que on sait pas quoi faire. Voilà par exemple. Il y a beaucoup de glitches comme ça qui sont découverts longtemps en arrière. Il y a aussi de nombreux glitches qui sont découverts et qui ne servent absolument à rien. Ah oui. Il y en a masse. Bah notamment pour Majora's Mask, Leiden Hall qui permet d'activer à la fois toutes les statues. Ah oui. Et tout, ça a été découvert je crois en 2006 et a une vraie utilité qu'en 2012-2013 je veux dire. Il faut découvrir juste que ça attaque un peu, qui sait toutes les possibilités. Un glitch, c'est pas forcément inutile, mais faut trouver la manière de l'exploiter, je dirais. Après, on a des inutiles, c'est sûr. Mais. Voilà. Donc, les joueurs petit spinner. Donc, la cité dans les airs. C'est assez joli le level design de ce passage ici, je trouve. Ça change totalement du level design de tout le monde d'en bas, c'est vraiment fun. Et moi personnellement, je trouve le jeu super super beau sur les princesses. Dis que c'est de la GameCube. Ah bah c'est un jeu qui est sorti en fin de vie de la GameCube déjà. Ouais. GameCube, donc c'est normal qu'il soit beau, mais. Moi je trouve vraiment beau. Oui. Bon. Il me semble qu'il est sorti une semaine avant la version GameCube. Oui, je veux dire. Oui. La version GameCube reste supérieure. Ouais. Les mystères, des fois, on ne sait pas trop comment ça arrive, mais oh, petit fail. Il a mal timé son, ouais. Son saut. Il n'a pas assez attendu. C'est pas très punitif, ça va, il spawn juste derrière. Des choses qui arrivent. Donc vraiment quand la tornade reprend le chemin inverse, c'est là qu'on doit activer le jump. C'est difficile. Hop, on se prépare directement. L'avantage des cinématiques dans Twilight Princess, c'est qu'on peut se préparer. Par exemple, équiper tel objet. Là, vous avez vu, il a clochot les vines au-dessus. Et il en a profité pour équiper les Iron Boots. Ça permet de sauver du temps. Il a oublié d'activer le Mortilo. Ouais. Bon, ça arrive, c'est le stress. C'est la fatigue. Je sais pas s'il y a vraiment de la fatigue là-dedans. Hein. Ah, je pense un petit peu quand même, ça insinue un petit peu. Bah, chez eux, il est quelle heure? Il est 1h du matin. Ouais. Ah, maintenant, ils sont au milieu, donc il est encore plus tard, peut-être. Ouais. Plus tôt, je veux dire. Peut-être 2-3 heures, non, je sais pas. C'est au Minnesota, du coup. Oui, faites-nous la translation. Ils sont déjà vers 1h du matin ou minuit, ouais. Ou même 11h. Alors, bon boulot Noirdez, merci à toi pour la modération. Travaille bien. Quel courage, nuit blanche, enchaîné avec le travail. Ouais, c'est chaud quand même. Ouais. Il est minuit là-bas, ok. Il est minuit, ok. Oh, il fait une strat, normalement, on jette dans le vide et on fait un jump slash avec l'épée arrivé tout en bas, mais ça utilise deux cœurs. Donc c'est pas très safe là, il a fait vraiment un truc safe. Là, on désactive le ventileux. Minuit, ok. Et donc là, un petit truc sympa qui va skipper une grosse partie du donjon encore. Comme si on l'avait pas déjà assez fait. On va faire le early clochot, double clochot. Alors c'est extrêmement errant parce que le placement est très millimétré. Donc si on le foire, on va simplement tomber dans le vide. Ouais. C'est beaucoup plus rapide.
permet de reset la position et de pouvoir bien se replacer. C'est vraiment très 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 précis. C'est vraiment au pixel près là pour le coup. Et le truc énervant justement, c'est à cause de l'autre qui arrête pas d'attaquer. Ouais. On retente. On bien se passe au milieu. Ça passe. Nickel. Ouais, bien joué. Vraiment très très dur. Très très dur à réaliser. C'est tout à fait normal qu'il ne le réussisse pas du premier coup. Voilà, petite save. L'équipe a enfin un petit save warp. Dégage le boss, laisse-moi faire mon skip. Bah c'est un peu ça en fait. On s'en fout un peu du boss. Donc un petit skip, ça, c'est un truc que j'ai vu Runner faire depuis il n'y a pas si longtemps que ça. C'est intéressant. Ouais, c'est cool, c'est bien. Tout sa classe, fluide. Non, j'ai vu Runner encore le faire il y a vraiment pas longtemps, peut-être 2 ou 3 jours avant. Le moins plaisant à mes yeux, personnellement, les 2DS ils sont complètement horribles. Voilà. Les pires que j'ai jamais vu. Et en 3D, Skyward Sword. Je le trouve extrêmement plat. Ouais. J'adore regarder Iron, mais à jouer en casu, rien de très. Moi j'ai bien aimé l'histoire dans Skyward Sword, pas vraiment le gameplay. Ouais, l'histoire est bien. J'ai plus aimé l'histoire et tout. On comprend plein de choses, on sait d'où. C'est un peu l'origine de la série, donc c'est cool. Le gameplay est pas mauvais, mais je trouve ça tellement mou. Oui, c'est assez lent. Alors que tu prends TP, ça pète direct, tu skips toutes les cutscenes de l'infini et puis voilà. Moi ce qui m'a déçu, c'est d'aller affronter 3 fois le même boss, le Banni là. Ah, le backtracking. Ah, ouais. Assez répétitif et tout. Je me rappelle l'année dernière avoir commenté SS. Allez, 10%, mon dieu. Backtracking pour son. Si c'était en. C'est vraiment bien pour parler du scénario et tout. Mais. Oh oui, attends, là, du temps pour parler du scénario. En plus, tu pars de la base de la licence, donc ça. T'as de quoi déballer après. On est bientôt à la fin du level du temple. J'arrive à la fin. Un boss aussi bien sympathique à faire, je trouve. Le principe de comment tuer le boss est assez original, vous le verrez par la suite. En tout cas, je répète bonjour à ceux qui arrivent, bonne nuit à ceux qui se couchent. Ouais. Vous avez du courage. Je suis en train de mourir en poule là. Non, mais tout va bien, moi ça va encore. Donc là, il a réussi un enchaînement pas très facile. On n'a pas trop commenté, mais il a enchaîné un truc pas très facile avec le boomerang. L'objet le plus cheat de tous les temps. Donc là, l'escalade, il va un peu tricher. Hein. Il va pas le faire. De manière normale, il va un peu choper des autres plateformes qu'il n'est pas censé choper normalement, mais qu'on peut quand même avec le grappin. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, il doit juste attendre. Il accélère un peu la séquence. Je travaille dans 8 heures. Ah, ça va encore 8 heures. Encore le temps. T'as le temps de faire une petite sieste sympathique. Non, mais pensez à moi qui enchaîne BioShock Infinite juste après encore. Faut du courage des fois. Bon, l'escalade à double, bon, il a pas pris de risque. Il a vraiment fait la safe strat. Il pouvait essayer de skip un étage, mais il l'a pas fait. C'est possible de le faire. Donc là, petit à petit, on se rapproche de la fin du jeu, lentement mais sûrement. On y arrive. Donc le boss très 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 original, je trouve. Un boss que j'aime beaucoup. Y a pas à dire, les runs de Zelda, c'est mieux que tout. Oui.
Donc là, il va tenter un truc assez risqué. Comment ça passe? C'est bon. Ça, parce que là, s'il tombe, c'est la déception. Parce qu'il doit vraiment aller à la limite du bord. Là, il gagne du temps d'escalade. Je serai là pour te soutenir sur BioShock, merci. J'ai W bouge. Donc là, on doit escalader le mur pour pouvoir aller sous le boss, vous allez comprendre pourquoi. Dans quelques instants. Donc c'est l'après-midi pour moi, je serai là pour BioShock. Oui, mais enfin, les horaires sont un peu changés. Donc là, c'est un boss qui ressemble beaucoup à Valou. Oui, à Valou dans Wind Waker. Un peu le même principe. Ouais, sauf que moi, j'aurais pu dire Ridley. Plutôt, ah oui, ok. Mais on trouve souvent entre les jeux Zelda des mécanismes assez ressemblants d'un boss à l'autre dans les différents jeux. Là, on nous montre qu'on doit aller insérer notre IP à travers ça pour lui mettre des dégâts. Donc c'est ce qu'on va faire. Le plus possible, c'est que chaque Link soit des types différents. Ouais. Moi, j'aime bien les monstres comme ça dans des espaces ouverts, pas enfermés dans un temple. On est vraiment vers le ciel et tout. Je trouve ça bien classe. Donc la magie, des espèces de... Il sort de nulle part pour nous aider, on sait pas pourquoi, mais c'est fort agréable. Donc c'est un peu des espèces de la forêt. Des qui sont méchants d'ailleurs dans la OT, qui vous attaquent. Oui, exactement. Donc là, il fait exprès de sauter dans le vide. Parce que ça va approcher directement Argorok, le nom du boss. Tout près des piliers. Comme ça, il fait pas tout son tour. Et il n'y a pas à attendre pour aller vite. Chaque seconde est bonne à prendre. Donc le but ce sera de se diriger sur le dos du dragon en lui tournant autour. On peut aussi l'attraper depuis là si on est précis. 3, 4, 4 coups. Et on va recommencer bien évidemment. Ce n'est pas aussi facile que ça. On remonte. Pas un boss très difficile du moment qu'on l'a fait une fois. Je me suis creusé la tête la première fois qu'on va tuer ce boss, mais pas de soucis. Donc là, il le fait exactement de la même manière qu'un joueur normal, en casu. Ce boss, c'est limite mon préféré, oui. En fait, l'ambiance du boss est vraiment trop cool. À l'air libre. Un dragon en plus. Donc là, c'est un boss logique, je trouve, un dragon. Donc, le boss est tué. Enfin, j'ai des bêtises, non, c'est en 3 fois. C'est juste que le boss est en 3 phases. Je me trompe, toute la fatigue, excusez-moi. Ne m'en voulez point. On va aller faire une troisième fois le boss. On lui tourne autour, on évite les flammes, pas très difficile. Tourner 7 fois autour de lui. 7 fois autour de lui, ok. Juste sur la dernière phase, c'est 5 pour faire le flame skip, comme il est en train de le faire. Ouais. Là, il arrive à quand même à accrocher le dragon. Sans même avoir le petit indice qui permet de s'accrocher au dragon avec le grappin. C'est juste qu'il prend en compte le déplacement du dragon. Alors, on va pouvoir enchaîner avec Palace of Twilight. Oui. L'avant-dernier donjon. L'avant-dernier. Ah oui. C'est fantastique. Donc je suis tout à fait en train de mourir en poule. Tout va bien, tu peux y arriver, tu peux le faire.
Tu as l'expérience, tu es un vieux. Tu es un vétéran des marathons, donc je me fais pas de soucis pour toi. Pas même sommeil. Prends l'exemple sur Beef. Ah non, mais Beef, c'est impossible. C'est un extraterrestre. Il vient pas de la même planète que nous. Ou alors il a une boisson. Une perception du temps différente. Ou alors il a une boisson différente de nous, on ne sait pas. C'est un peu comme la timeline de Zelda, à vous de faire votre propre avis. Sur comment Gif vit. Beef vit. Bien évidemment, Beef vit des dons grâce au Beef Pourcent. Défi de grande qualité. Et Beef est mieux mili. Hop là, il a équipé les Iron Boots pour directement après faire un jump slash pendant qu'il tombe. Ce qui va faire qu'il est carrément au bon endroit, il est directement sur le pont et pas dans la flotte à nager et à perdre du temps. Mon bot qui lag des trucs. Donc, on va se diriger vers le miroir brisé, la porte, qu'on retrouve également une porte similaire dans Skyward Sword d'ailleurs. La porte du temps. Je sais pas, c'est vraiment une liaison entre les deux. Elle a été utilisée par les différentes générations dans les deux jeux, on sait pas. Encore des éternels débats de Legend of Zelda. Alors voilà, il y a une espèce de théorie. Ça reste vraiment qu'une théorie. Normalement, en fait, quand on a les boules de lumière là, ils servent justement à activer la Master Sword version 2.0. Apparemment, il y aurait une théorie comme quoi on pourrait compléter le puzzle avec une seule des deux boules. Mais ça reste juste une théorie. En fait, c'est par rapport au nombre à variables dans le code du jeu qui permet d'éclencher l'événement. En gros, l'événement appelé boule luminescente. Ouais. Donc là, on va aller à la rencontre du boss. Du boss qu'on ne voit pas beaucoup en fait dans le jeu, on le voit une fois. Et encore là, c'est même pas un boss. Ouais. C'est un fantôme. C'est une espèce de fantôme. Qui est Xanto, qu'on retrouve dans le Hyrule Warriors. Ceux qui ont fait ce jeu. Moi, je l'ai fait uniquement pour la hype, pour voir ce que c'était ce jeu. Moi, j'ai fait deux fois, une fois sur Wii, une GameCube. D'abord la GameCube, puis la Wii. Et hop, on récupère la petite clé. On va sortir l'épée, on va faire deux side up, puis un jump slash. Ce qui permet en gros de skipper un petit coup. La salle, de faire un petit skip. Et là, on arrive donc au combat contre Phantom Zant. Donc là encore, on va retrouver des mécaniques de combat qu'on peut retrouver dans les autres Zelda. Un peu les classiques du combat. Et il y a juste une astuce. Hein. Une astuce, c'est de se mettre tout près et de bourrer. Tout simplement. Pour la première phase de combat. Donc je sais pas si c'est le spawn aléatoire ou c'est RNG ou pas du tout, ils ont trouvé respawn. Donc là on tue le fantôme de Zanto. Très facilement, vraiment pas difficile. Moi je trouve que les boss dans ce jeu ne sont pas extrêmement difficiles. Je crois qu'ils ont eu beaucoup de difficultés dans les boss. Particularly.
Donc on va récupérer cette boule qui va nous servir tout au long du niveau pour pouvoir progresser. Des fois on récupérera d'autres boules bien évidemment pour un peu gagner du temps. Ou des fois on prendra la même boule à différents endroits pour gagner du temps aussi. Comme par exemple ici, pour la prendre avec le grappin on va gagner un temps inconsidérable. Mais en fait il triche le gars. Mais le glitch c'est pas de la triche pour moi. Pour moi ce n'est pas de la triche, non. Donc la boule permet de disperser certains endroits de lumière. De lumière ténébreuse. Comme vous avez pu le voir juste à l'instant. Donc courage, on arrive bientôt au bout de cette run. Tout va bien. Dernier donjon du jeu. Avant le combat final, bien évidemment. Comme disait le grappin, pour prendre la boule à un endroit, on n'est pas censé la porter. Un peu de cheat. Donc là, on va éviter les boss. On n'a vraiment pas le temps de les combattre. Hashtag ça va vite. On peut le dire. Hashtag ça va vite. On peut le dire une fois dans la run quand même. Ending hype. Eh oui. Salut Last Wolf Play, bienvenue à toi. C'est une boule magique. Et oui, les boules magiques, c'est quand même génial. Les boules de lumière. J'aime bien le level design du jeu, moi. J'aime bien un peu ce crépuscule. C'est très original. On va mettre une boule au milieu, on va aller chercher la deuxième. Sauf que là, si je me trompe pas, on va utiliser le boomerang. Le boomerang vient de cheater. Le moment où la tornade revient, donc là il l'a fail. Le moment où la tornade revient, on doit activer notre attaque. Et ça passe. Donc c'est vraiment trop cheat ce boomerang. En plus, Ganon sur Toy Princess est fait en 4 phases. Pas exactement. On fera pas d'insinuation comme le chat en fait actuellement. Le chat est un troll. Donc enfin les petites plateformes par-dessus le vide, on n'en a pas eu beaucoup. On va attendre de pouvoir tuer ce boss. Donc, une fois dans notre vie, on tue un boss, on tue un ennemi. Parce qu'on n'a pas le choix en fait, on est obligé de le tuer. Faudrait que le prochain Zelda soit continue la timeline de Twilight Princess, parce que là, moins fourni, soit une... C'est une bonne idée, on sait pas. C'est le spoil. On n'ose pas. Moi, je sais personne, mais je n'ose pas en parler, malheureusement. C'est tellement triste. Donc là, on va se transformer en loup. Pour activer notre sens, pour pouvoir tuer les boss plus facilement. On est obligé de faire ça. Un peu trop vite, donc on va tuer ce boss. Le loup est bien cheat niveau dégâts. À part ça. Bon, j'en profite pour voir un petit coup. Car là. C'est parti, le boss est assez bien enchaîné. Hydratons-nous. Le prochain Zelda doit être un GTA avec un haut de coffee, mais non. Moi je parle de celui sur Wii U, Licorne. Après celui sur 3DS, on sait exactement. On sait déjà qui suivra la timeline de Wind Waker, Spirit Track. Non, Wind Waker, Phantom Hourglass, Spirit Track, ce sera la suite. Non, pas du tout, j'ai dit n'importe quoi. Ce sera la suite de Four Swords Adventures. My bad. Il me semble. La fatigue me fait dire des choses un peu spéciales. C'est que les devs sont dit la suite. Nanana. J'aimerais bien un autre Zelda avec ce thème graphique beaucoup plus sombre. Moi j'aime bien les Zelda bien colorés également. Comme Moon Waker, j'adore. Tant qu'en ce moment d'ailleurs, il y a une team qui se prépare. Entre guillemets, un hack de TP, c'est plus un truc de texture au niveau des hacks.
Ok. Et la masse ressorte, c'est en fait une truite. Le troll. C'est un peu moins classe de dire qu'on va tuer Ganondorf avec une truite. Force of Adventures, ce qu'il a fait. Il y a très peu de gens qui l'ont fait, Force of Adventures. Okay. C'est un jeu qui est devenu assez rare à trouver. Ils l'ont pas sorti un beaucoup d'exemplaires. Ça va être dur, BioShock Infinite. Non, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur BioShock Infinite. BioShock Infinite, c'est un peu mon... C'est un peu mon... Mon bébé à moi, voilà. Et je serai pas tout seul, je serai avec Sinès. Donc pas de soucis. Alors on va déjà s'occuper de finir ce run là. On va récupérer la boule. Important. Winnaker, c'est bien coloré, mais le scénario, c'est limite la corde au cou. On pousse à s'abourrer. Non. Le scénario est original et beaucoup plus enfantin, je trouve. Beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile. Également. C'est un jeu qui est Wind Waker, qui est fait pour dessiner un public également un peu plus jeune, je trouve. C'est-à-dire il est pas très difficile. Les énigmes ne sont pas très difficiles non plus. La boule magique. On va l'appeler la boule magique. Hein. La boule magique. Ouais. La fameuse boule magique. Salut Sinès, comment vas-tu? Ce jeu de boule, mais non. Vous étiez obligé de faire des bacs comme ça. Salut Tiagi. Il est passé tellement proche du trou. C'est la déception, c'est tombé. Le boomerang. Le fameux boomerang. Ce donjon, c'est un peu une soirée disco. Exactement, c'est un peu ça. C'est un peu ça. On arrive bientôt à la fin de ce donjon. Ah, il a failli la récupération de la boule. Oulala, il a eu chaud. Il a failli pas l'avoir. Mais il l'a eu au final. Il a pas trop raté sa run, le gars. Si, il a quand même fait quelques fails, mais dans l'ensemble, c'est quand même assez correct. Ouais. Oh, c'est difficile de faire. N'oublions pas que c'est du marathon. Ouais. C'est du live aussi. Du live, Et qu'il y a un peu 107 000 personnes quand j'ai regardé tout à l'heure. Ouais. Là, il y a 95 000 encore sur le stream US. Ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait vraiment beaucoup. En général, c'est des runners qui dépassent pas les 100 viewers sur leur chaîne perso. Et là, d'un coup, je le retrouve devant 100 000 personnes, ça n'a pas le même impact. Après, il y en a qui sont bien connus. Bien ah oui, il y en a quelques-uns, ouais. Comme Chaotique, par exemple, lui, c'est pas. Il n'a pas beaucoup de quand même, quand c'était du Wind Waker, il a atteint facilement 400-500. Ouais. Ouais, c'est juste. Wind Waker, il est bien connu pour ça. On a perdu un commentateur, mais non. Les deux commentateurs sont bien là, vous inquiétez pas. Ouais. La connexion de Zelkis tient, donc tout va bien. J'arrive à survivre mentalement. Comme il y a quelque chose de magnifique. Donc là, on relance deux boules magiques. Encore une fois, les boules magiques dans le jeu. Ce bel accent de notre chantante, et oui. Oui, Necoragi, meilleur jeu. Peut-être meilleur jeu, mais plus mauvais speedrun. Hein. Moi, je préfère clairement le speedrun de la version GameCube de Ocarina of Time. La version SD. Ah non, mais la version SD de Wind Waker, elle est horrible. Ils en ont profité pour patcher plein de trucs. C'est pas cool. Le seul truc bien qu'ils ont fait en plus, c'est d'avoir mis la voile rouge pour aller plus vite. Là, bravo. Mais sinon... C'est ce qui est hors sort. Aussi. Je trouve que c'est un bon jeu à regarder, un mauvais jeu à jouer. Je trouve pas si fun que ça à jouer. Comment toi, les princesses, par exemple, j'adore jouer à ce jeu. J'ai dû le finir, je pense, une dizaine de fois dans ma vie. Toi, encore plus du coup. T'as fini plus de fois que moi.
C'est vrai. Alors que tu le runs pas. Non mais quand je te parle en casu, hein. Ouais, en casu. J'ai dû facilement le faire une dizaine de fois, voire plus. Oh, petit early Bosky. Pardon, early Bosky, mais c'est juste une petite strat pour aller plus vite. C'est marrant quand même qu'on récupère à cet endroit précis. Ouais. Donc la grande clé qui nous permet d'affronter le boss. Le classique. C'est la flemme de regarder le planning, il y a des tasses de prévu. Oui, il y a quelques tasses de prévu. Pour moi, il y aura une tasse à café après. Voilà, super blague. Il y aura un lit. Ouais. Il y aura un canapé, il y aura quelque chose. Non, il y aura un tasse bot sur Megaman, sur Sonic Advance et sur Plays Ika Ruga. Voilà. Pour information. Désolé pour ma blague, j'en ai pas fait beaucoup ce soir, donc j'étais obligé. Donc, lentement mais sûrement, on se dirige vers le boss. Voilà. Attaque tourbillon, tourbilol. Il faut qu'il fasse gaffe quand même, il a plus qu'un cœur et demi. Ce serait bête de mourir. On récupère encore une petite clé. On a récupéré la grande clé bien en avance. Allez, on va y arriver. Buvons un petit peu de café. C'est parti. On y va les amis. On continue ce donjon. Donc, un donjon assez long. Hein. Donc là, oh, mais qu'est-ce que ça va être comme boss, mon dieu. Des messagers encore une fois. Sauf que là, il avait le petit spot du spawn des ennemis. Donc il a pu directement faire une attaque tourbillol pour les tuer. Et la petite early platform. Ouais. Hop, c'est timé. 6 secondes. Ouh là, il a foiré, il a mal visé. Oh. Oh, t'as un petit peu d'avance. C'est extrêmement tendu, ça sauve du temps, mais c'est tendu. Et puis si je le foire, je perds un max de temps. Ah, Metroid, même si on n'aime pas le backtracking, on aime Metroid. Les jeux sont trop bons pour être détestés. Là par exemple, vous avez vu, le boomerang n'est pas passé derrière, donc dans le vide. Donc il n'a pas pu faire encore un LJA juste là. Moi j'ai vraiment peur au niveau de sa vie là, je crois qu'il... Je sais pas s'il s'en rend compte. T'inquiète. Il a... les VOD, bah, pour le moment on peut les retrouver dans les past broadcasts, donc dans les diffusions précédentes sur Twitch. Après je sais pas trop comment ça se passe pour les rediffs. FR en tout cas. Mais carrément suisse, Dorgandor. Je suis jurassien suisse, bravo. La deuxième partie était juste. Encore une petite game. Il est jurassique, non mais. Moi je veux dire, le meilleur Zelda, c'est Zelda dans ton cœur. Oh. C'est mignon. Même si mon avis est meilleur. Non, je déconne. Donc là, on arrive devant la porte du boss final. Bien joué le spot. Donc là, ouais, c'est pas des spots en fait, ils tombent dessus, c'est juste du timing. Ouais. Ouais, donc là, il récupère les cœurs ici. Bien vu. Il aurait bien voulu score en plus, mais il l'a pas eu. Oui, c'est très mignon ce qu'il a dit, Zelkis. Et c'est vrai en plus. On y va, on affronte. Cette fois-ci, le
Vrai. Zanto. Zanto qui est pas beau non plus. Les boss sont vraiment pas beaux dans le jeu. Vraiment très hideux. Timeline officielle. On l'aura jamais, Tam officiel. On l'aura jamais. Donc Zelkis a déco là. Ah non, il est nouveau là. Ouh, il se bat. Yeah. Ouais. Voilà. Donc on va enchaîner. Tantôt. Vas-y, parlez pas de Seiya, c'était le meilleur personnage de Skyward. Moi, c'est Lana, moi. Le meilleur personnage tous les temps, je crois que c'est Lana. Dans tous les Zelda, dans Hyrule Warriors. J'espère qu'elle sera. Lana, c'est pas Seiya. Ah non, c'est pas Seiya. J'espère qu'elle sera dans le prochain opus. Ouais, là, il perd un peu de temps. Je peux le faire plus rapidement. En fait, là, il est en mode pour le forcer à se despawn plus vite. Je sais pas comment dire, à se téléporter plus vite. Et là, justement, là, on va faire encore les mêmes glitches sous l'eau. Là, il va avancer un petit peu. Il va viser, la strat optimale, c'est de viser avec deux. D'utiliser deux bombes en tout pour faire le boss. Zanto, la grosse déception. En 10 ans. Hop. Et donc là on fait un combat en fait où on appuie 3 hits en avant et un dernier hit en arrière. Là hop on change, et si on time bien, on peut utiliser que 2 bombes sous l'eau au lieu de 3 par exemple. Là tout simplement on va commencer à sortir une des bombes sous l'eau au moment où les yeux ils sortent du sol. C'est pour le timing. Et là, très simple pour Zant, Water Zant, il est toujours à l'opposé de vous en fait. Et je peux vous dire que ça, quand je l'ai appris la première fois, ça aide vraiment de savoir ça. C'est pas RNG. C'est si vous êtes à droite, il sera à gauche. Si vous êtes en bas, il sera en haut et inversement, etc., etc. Donc là, on arrive sur la phase où on affronte Zant. En mode Forest Temple mini boss. Hop, on le bourre, on se rapproche du pilier et on va mettre un coup de ball and chain ou on peut faire une roulade comme il l'a fait. Ça dépend. Chacun sa petite strat. Là, pas grand chose de très spécial sur cette phase. Un peu à l'hommage de plusieurs Zelda, on traverse un peu tous les différents boss, les différents levels des lignes de chaque boss dans un boss final. Dans Wind Waker, il y avait un espèce de boss rush à la fin. Ouais, tu devais affronter les 4 boss dans les conditions OT, la période du jeu. Ouais. OT, non, il me semble non. Pas. Non, OT, non. Ouais. MM non plus. Si, MM. Si, MM, c'était des mini-jeux, mais avec les boss. Phantom Hourglass également, tu dois affronter. Alors, je sais pas, moi, je joue au bon jeu Zelda. Hein, c'est moi, je les ai tous faits, donc... J'ai pas fait Skyward Sword ni les deux DS. Ok. Ils sont mauvais. Tu as fait le dernier 3 DS. Là, je vais vous expliquer. Là, on maintient avant plus L en même temps, mais on va bourrer les B une fois que les piliers sont tombés sur le côté pour donner le dernier coup. À chaque fois, on va vouloir donner le dernier coup du combo parce que ça fait énormément de dégâts. Et voilà, il est mort très très vite. Alors que normalement. En jouant en casual, on a tendance à bourrer les quick speed, on va se dire ouais tranquillou ça passe. Mais ça c'est vraiment rapide, c'est un setup qui a été trouvé par encore SVA. Based SVA, meilleur runner. OT tout con, OT même tout ça, c'est un fou. Ouais. Très grand setup maker. Et on part enfin pour le dernier donjon. Oui, le dernier donjon qui est le château des rues. Mais pas pour toi. Mais moi, je suis pas fatigué. Pas de soucis, tout est prévu. T'as de la chance. Les 14 heures de sieste ont passé. Donc là, on va retourner
dans le monde d'Hyrule. Et on va devoir faire un dernier Melman skip. Ouais. À tout dernier. Avant Hélas. De rentrer dans le château d'Hyrule. Since we've beaten Zant, and there's actually one other trigger, I can now go break the barrier that I guess Ganon spawned around Hyrule Castle. The barrier to break this, the cutscene to break. Tout le monde attend le passage avec Midna, bien évidemment. I'm not sure exactly how long. Quidna! You can go ahead. But right here, I'm gonna skip the mailman real quick. It's the last time. Allez! We only did it twice in the run, I believe. I did do it way too many. Le boomerang, c'est parti, les amis. Il n'est pas sûr de son timing, il recommence. Hey, il l'a foiré. Hey ouais. Le postman. On le prend vraiment ça. Je suis encore fait time out. Je vais passer à hey. Mon dieu. L'OST de Twilight Princess déchire, oui. Je comprends. Ah ouais, cool, c'est ouais. La première OST full instrumental, full orchestral plutôt, ouais. Des Zelda. Quand Wind Waker, non, je sais plus. C'est full orchestral, Wind Waker? Non. Non. En vrai, pour moi, la meilleure OST de jeu, bah, c'est Skyward Sword, parce que avec les moyens qu'ils ont mis derrière pour l'orchestre et tout, ça pouvait être que la mieux. En plus, il y avait eu le CD dans le jeu encore, 25e anniversaire. Donc c'est une chanson. Ça c'est une des cutscenes où vous pouvez aller faire tout ce que vous voulez. Aller aux toilettes, aller boire, aller manger. Pendant 2 minutes vous êtes tranquille. Foncez. Et vous revenez. Ah oui. C'est une cutscene très souvent exploitée par les runners de TP. Et là vous avez 2 minutes. Beaucoup qui en profitent. Vous avez 2 minutes pour faire un don également. Ah oui, un don. Ça fait un don encore mieux. Exactement. Vous avez 2 minutes pour bourrer les dons sur Jackie la frite. Et pas que 2 minutes encore en plus. Et encore plus beurre. À venir. Et on voit Squidna. Squidna for Smash 4, moi je dis. Voilà. Midna is one of my favorite video game characters, so I had to donate during this run. Great run so far and keep up the great work. Save the animals because otherwise. Donc là, ils en profitent pour donner les dons également. Sur le stream US. Donc là, c'est très important, c'est Midna qui nous permet de briser la protection autour du château d'Hyrule pour pouvoir y pénétrer. Oh, c'est mignon. Hyrule Castle pretty much just consists of all fights. Passage trop mignon. Et après elle bouffe Link. Salut Shardik, comment vas-tu? Salut Shardik également. Donc là c'est bon, vous avez fait votre don, vous pouvez revenir regarder le live. Ça reprend. Donc là on aura le. Hyrule Castle. On aura le Moblin Fight, le dernier. Et on va apprendre une terrible vérité. Oui. Wolf. On ne bouge pas. Comme ça, ils viennent tous et bim. Là, pareil, on va rentrer dans la deuxième salle. Si on peut appeler ça une salle. Deuxième partie du jardin, allez. Alors, le truc le plus idiot que vous ayez jamais vu, hop, on skip la cutscene et on roule à droite. Ça permet justement de faire ça. Tout bête en plus. Bon, c'est Dave, ils en avaient marre, c'était la fin du jeu là. Ils ah voilà. Allez. Donc là c'est la hype, on arrive vers la fin. Fight toi. C'est parti. Le fight. Donc moi j'ai trouvé très drôle la fin du fight à chaque fois. Ça m'a surpris après. Ah mais fois. C'est là où justement qu'on apprend une terrible vérité. You can just sit there doing spin attacks on him and nothing will hit him.
Là, on ne l'a pas tué. Là, non. Au contraire, ta ta ta, il parle. Et oui, il parle. Et là, il a une frame pour faire un backflip. Et sauver et quitter, ça gagne du temps. Ça serait marrant qu'il l'ait. Oui. Le texte de Minna. Tous les méchants, ils sont pas méchants éternellement. Nice, ouais. Il vient d'avoir le backflip. Non mais c'est vrai, Aria, voilà. Ah c'est un peu ça, il rage quitte le fight en fait. C'est l'en a marre, c'est la déception. Ah donc là, on va se diriger vers le deuxième level, donc on va escalader le château. Donc ça prend pas mal de temps d'habitude, mais là on va le faire assez vite. En speedrun. On s'accroche au lustre. D'ailleurs, ce jeu me slash, on doit mâcher start, sinon ça marche pas très bien. Donc pour l'anecdote, on retrouve la musique qu'on retrouve dans le château d'Hyrule dans Wind Waker. Exactement la même musique. Pas dans Wind Waker, tu veux dire dans A Link to the Past. Link to the Past et dans Wind Waker aussi, on la retrouve celle-là. Dans Wind Waker. Ah oui, ouais. Exact. My bad. Au moins, on aura la chance de la réentendre samedi. Oui, samedi, on pourra la réentendre. Enfin... Non, mais tu vas l'entendre. Avant, A Link to the Past. Ouais. Ah oui. On va commenter par, il me semble, Sirocco et Incroyable Bébé. Il me semble aussi. Oui. That cutscene like manipulates your angle. If you have the right angle, you can just sera le torch that you need to put out after it. Je retrouve. Luckily these are not random. On sent là, regarde ce qu'il fait. Absolutely suck. Petit peu jeune en tout cas. Donc là on dirige sa petite vélo du château. Samedi à 21h. Voilà ce que je trouve. D'accord. René par Xelna, A Link to the Past. Okay. Actuel World Record Holder, donc ça va être bien craqué aussi. Ah, Macaon. Macaon, c'est la fille aux insectes, je crois. Ouais, Macaon, c'est la fille aux insectes. C'est un personnage assez spécial, d'ailleurs, Macaon. Ah, moi, j'aime bien ouais. Elle. J'aime bien sa musique aussi. Très ouais, calme. Elle est cool. Posé. Donc, nice. Non, pas Macaron, Macaron, calmez-vous. On voit comme beaucoup de Legend of Zelda vers la fin, pas de musique, un niveau très calme avec le bruit de la pluie, pour vous montrer vraiment que c'est un peu le calme avant la tempête. Vous pouvez éviter de dire Macaron, dites Agita, c'est le nom en anglais. Non, on peut pas dire oui. Macaron avec ça. Donc là, première fois dans le jeu, Link va mourir. Et ben non. Après cette prise bien évident, 7 milliards de flèches dans les fesses, hein. Et dans la tête et partout, hein. Mais là, une seule flèche peut le tuer. Oh là là. Donc là, pour la première fois, Link ne doit pas se débrouiller tout seul. On se décide quand même à venir un peu l'aider. On se dit, ok, il a tout fait, on pourrait essayer de l'aider un petit coup. Bravo à vous, la garde d'Hyrule, d'avoir aidé Link. Notons quand même qu'ils ont un bazooka.
Parce qu'elle peut nous le donner avant. Il est absolument logique. Donc la grande clé. On s'y dirige gentiment. On va affronter Ganondorf, mais pas tout de suite. Le combat final contre Ganon est typique. Donc là, on va tout skipper ce puzzle. Normalement, faut se mettre en loup et activer le Sense Mode pour pouvoir tout traverser tranquillou. Mais là, on n'a pas le temps. Exact. Là, hop, slash normalement, et puis on fait un quick spin et ça marche. Ouais. Pour être tué. C'est une strat que je n'utilise pas, donc. Oula, il est pas tombé. Donc là, un petit spot avec le grappin. J'aime beaucoup cette question. Et Bazooka, ça rentre dans quel timeline? Mais c'est. Est-ce qu'il y a des bazookas? Mais dans nos Zelda, je crois pas. Hein. Je crois que c'est les seuls bazookas du. Ouais, je crois canons. Que c'est les seuls. Il y a les canons, mais pas les bazookas. On a pas mal de canons, mais. Jamais de ouais, bazooka. Mais un canon, c'est ça va encore. Un bazooka, c'est ouais. Chaud quoi. Et l'idée qu'on pas trop réfléchi sur le moment, ils se sont dit vas-y au même bazooka, c'est drôle. Et puis voilà. C'est mystérieux. Non, TP, apparemment, il aurait déjà dépassé son PB. Je me souviens absolument plus c'est quoi son PB en fait. Ace. Allons voir. Eh, ZSR ne marche pas. Moi je veux te dire, c'est 3h09. Minute 45 secondes. Top 3h10, c'est vraiment bon comme temps. Ouais. Là, il doit être sur du 17. Non, peut-être 16. 16-17. Ouais, 16-17. Ça va dépendre de l'exécution. Et de la RNG. Ouais. Donc, le passage final de jeu de cette run. Le fight avec Zelda. Donc Zelda qui est possédé par Ganondorf. Donc là, l'astuce, ce sera de se mettre tout près d'elle pour lui renvoyer la boule. Sachant que le minimum de cycles que l'on peut obtenir est de 7. Un cycle égale une attaque, tout simplement. Ouais. Donc c'est aussi une petite astuce pour faire chez vous, hein. Au lieu et de après, faire en fait, la longue séquence, vous pouvez faire... En fait, sur les cycles, t'as une espèce de RNG un peu chou, qui fait en gros que tu gagneras du temps si t'arrives à avoir 7 cycles avec sans attaque ou elle t'offense dessus, ou etc, etc. Donc là, il l'a fail, mais c'est bon à savoir pour vous aussi chez vous, si vous pouvez parer le coup d'épée de Zelda avec le... Avec l'espèce de gros boulet qui va parer l'attaque. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais il a regardé un petit coup en bas durant l'attaque en triangle. C'est fait exprès pour diminuer le lag. De toute façon, dans beaucoup de jeux, le setup ou la vue, c'est généralement fait pour diminuer le lag. Dans beaucoup de jeux, je trouve. If you don't back into this triangle quick enough before it disappears, she'll laugh at you as if you got caught in it. I'll try and do it if she doesn't. Oui, juste après c'est BioShock les amis. On va sortir de la zone. Donc ça fait combien là? Ça fait 5 il me semble. Ouais. 5 attaques. Ouais, donc là il prend vraiment pas de risque, hein. Il prend sur des que... Non, pas 6. Que plus mauvais c'est 13 que j'ai jamais vu ouais. Là c'est il dit lui-même que c'est 8 ou 9 ce qui est sympa 8 et 9 c'est moyen c'est ok. Donc là on va entamer la deuxième phase Dark Beast Ganon. Hop petit coup de boulet et là on va y foutre exactement 8 coups. Un jump slash et 8 coups. 5, 6, 7, 8.
9. Voilà. J'en ai même pas. On compte pas le jeu comme ça, je veux dire. Ok, ça marche. Là, il va directement regarder en haut, parce ou pas forcément, il est pas obligé. Mais il apparaît toujours au-dessus de Link, en fait. Et même chose, là. Des coups de boule. J'aime ça, je suis suivi de 8 coups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Et là, en fait, le fait d'avoir fait ça, ça va enlever toute la RNG des portails. Il spawn ici, ça va bien. Donc avec le loup, on va le stop, le retourner sur le côté. Grâce à la puissance de Nidana. Donc voilà. Deuxième phase terminée. Normalement, on a une queue de scène. On a une queue de scène normalement. Ah, donc Zelki, c'est plus là, donc c'est moi qui vais terminer. C'est moi qui vais terminer, du coup, Zelki n'est pas là pour la faire, c'est quand même. C'est quand même trop triste. Donc, la première phase de combat, Ganon. Avec Epona, donc à la poursuite de Ganondorf. Donc là, il est tombé, il a pris un petit coup de Ganondorf. Ah, me revient. Ah, te voilà. J'étais triste pour toi, je me suis dit non. Ah non, pas à la fin. En plus, il fail pour le moment, donc ça va. Alors en fait là, dès qu'il fait son espèce de Eya, quand vous lui foncez dessus, il faut directement tourner parce que ça, vous allez pouvoir vous mettre à côté de lui. Et là après c'est please Zeldo, learn to aim. Et lui des flèches. Ah, elle a fail. Donc là on compte sur Zelda. Hein. Pour une fois on peut compter sur Ray. Dans un jeu. Ah. Allez c'est parti. Ça c'est horseback. Horseback Ganondorf. Ouais. Donc on croit que c'est fini, mais non. Car il y a une dernière phase de combat. Une phase très rapide. Ah oui. Préparer le time déjà. Ah oui, oui. Petite anecdote hein, sur cette dernière phase, vraiment toute dernière phase qui arrive. Rodner, bon, maintenant il a sub 3. Il a foiré le sub 3 il n'y a pas si longtemps que ça. Sur cette dernière phase, il a perdu 11 secondes. Donc il a fait 3h oh là là. Et 6 secondes. C'est moche quand même. Ouais, c'est. C'est extrêmement moche. À la fin, t'as fait un beau run, mais t'es deg quand même. Et là, ça va être très très simple pour le battre. Mais genre vraiment simple. Donc on emprisonne Zelda, classique. Ganondorf est trop badass. La vraie question c'est est-ce qu'il va équiper les Iron Boots? Parce que la cutscene de fin est très marrante avec les Iron Boots. Ouais. Hop, on attend un peu, on jump slash et on fait un quick spin en même temps en l'air. Hop, et voilà, on trouve qu'on est fini. Hop, Iron Boots et c'est fini. Time. Voilà, time. Top Ganondorf 18, nice. Alors c'est un super bon temps pour une condition de marathon comme ça. C'est vraiment un bon temps. Donc qu'un temps comme ça, ça le place dans le top 20. Donc c'est plus que correct. Ah, j'aimerais bien voir le leaderboard, mais j'arrive pas à accéder. Ouais. Donc, un combat final tellement épique. Tellement rapide. Donc c'est le GG, hein. Lâchez les GG Kappa. Sur le chat. Donc là, Ganondorf, il explique encore une fois que l'histoire se finira jamais. Alors oui, à la base, j'ai entendu Adam. Oui, à la base, c'était Gear Adam, le joueur qui est deuxième mondial, juste derrière Runner, avec un temps de 3-0-1-36. Ils se battent souvent les deux, hein, un peu. Il y a beaucoup de rivalité entre deux et ils sont très sympas. Était censé venir à la place de Chaotic Ace. Oui, il y a eu un changement. Du coup, c'est Ace qui a. Donc là, vous avez même pas vu la cinématique avec Midna, vous êtes deg. Hein. Vous êtes déçus dans le chat. Je pense que vous êtes bien déçus. Je ne veux pas, parce que je ne veux pas être snowboarding blind. Et je veux pouvoir revenir quickly to show this off.
Qu'est-ce qu'il va nous montrer? Que va-t-il nous montrer? C'est un peu la surprise, hein, on sait pas trop non plus. This trick only works in 100% because you have to actually have the midnet text triggered. On n'a pas le droit à la cinématique de fin. Et non, ils vous ont enlevé Midna. So this is basically a faster way of getting Snowpeak, provided you have already been there once. Que nous montre-t-il, Benz? Donc je suis tout seul hein, pour expliquer, alors que je sais absolument pas ce que c'est. Go all the way to Snowpeak. Donc c'est un petit glitch dans le Snowpeak. Donc il a déco. Hein. Il a déco. Yeah, this is just a glimpse of the stuff you'll get in TP 100%. Donc là c'est un bug. Je peux pas vous l'expliquer, je suis désolé, là je suis un peu... Je ne vois pas ce que c'est. Après c'est le bordel. Il vole à travers, le chat US est en feu. Le chat US est en feu. Ouais, c'est un OOB. Donc là il vole à travers la map. Zelkis. Zelkis connaissait parfaitement ce glitch, hein, moi pas du tout. Dommage. Il vous le réexpliquera quand il se reconnectera. D'accord. Il vous le réexpliquera. Pas de soucis pour ça. Je suis pas chez moi, fils. Mais il l'a très bien réalisé en tout cas. Il a réussi le premier coup. Donc là, que va-t-il nous montrer? Attention, suspense. Ah, bah il arrête le run là. Donc voilà. Fin du run. J'aimerais bien que Zelki soit là pour qu'il vous dise au revoir quand même. Parce que c'est un peu la déception sinon. Ils font la map. Ils font la map. Donc, on va voir si Sinès arrive. C'est fort sympathique. Non, mais Zelkis! Reviens! Zelkis, reviens nous dire au revoir, s'il te plaît. Donc, fin de la run. Une belle run, quelques fails. Mais dans l'ensemble, il a fait quand même un bon temps. Niveau routing et tout, c'était parfait. Donc, moi, perso, je ne m'en vais pas. Je reste avec vous encore pour commenter Bioshock Infinite. Mon petit jeu coup de cœur.